Il devrait déjà être là, je pense. Oh. Concernant ce que je suis en train d'écouter, tu sais que le prince ne dirige pas. Tu comprends? La plus importante des choses est de mettre main aux affaires de son père. Sa majesté. Tu sais que je peux les rendre possibles. Je veux faire de sorte qu'il puisse épouser l'une de mes filles. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas là-bas? C'est pas le problème. Mon prince, je ne comprends pas. Que veux-tu dire par je ne comprends pas? Vas-y comprendre, merde. Oui, mon prince. Dépêchez-vous, autant je suis chauffeur. Sa Majesté. Oui. On vient à peine de nous informer que le prince est presque arrivé. Oh. Trop bien. Merci beaucoup. Merci, Sa Majesté. Mon prince, il y a obstruction sur notre chemin. Que veux-tu dire par là? Je ne comprends pas. Va là-bas, découvre si c'est quoi le problème. Tu es là, tu me dis que tu ne sais pas. Hé! Hey, que personne ne bouge! Hé, hey, vous le fou! Vous avez des comptes à me rendre! À terre, je dis! Et toi? Sors ici! En danger? En danger? Oui. Oh, calme-toi! Baisse-toi! Casse-toi, dépêche-toi! À terre, je dis! S'il vous plaît, ne me faites pas du mal! Qu'est-ce que Sa Majesté, le prince, essaye de faire un courbe à sa tête en train de trembloter? S'il te plaît, tes sujets devraient être très très fiers de toi, mon prince. Malheureusement, ça ce n'est pas le royaume d'Isbouli. Tu n'as pas d'autorité ici. S'il te plaît, demande tout ce que tu veux. Maman va te donner. Mes hommes et moi n'ont aucune intention de voler le roi avant que tu ne les proposes. Je vais coopérer. S'il vous plaît, je vais faire tout ce que vous allez me demander. Mais s'il vous plaît, ne me tuez pas. Je t'en supplie, épargne-moi. Prince, mon Dieu, tu es une disgrâce pour ton royaume. Le prince est là! Oh mon Dieu! Allons vite, barre-toi, est-ce que tu as ça? Allons-y! Le prince est arrivé! Sa Majesté, Prince Ferguson. Oh, Prince Ferguson. Sa Majesté. Sois le bienvenu dans mon palais. Merci, Sa Majesté.
Viens par ici, écoute. Un perle. Je ne crois pas que toi et moi, on devrait autant se réjouir alors que tu nacis. Pourquoi? Parce que c'était la plus âgée, donc c'est elle qui va être mariée avant nous toutes. Ça ne se figure pas dans mon livre. Parce que mon livre est stupide que le prince a le droit de se marier à la fille du roi qu'il veut. C'est ça. Ciao. Alors, si c'est comme ça, le prince va sûrement choisir que moi. Mon voyage a été merveilleux, mon roi. Et mon père s'y porte mieux. Heureux de l'avoir appris. Sa majesté, c'est un hommage et un respect d'être reçu dans ton palais. Je vous en remercie. Ta réputation est très grande, comparable au vent craintif. Je suis content que tu dises comparable au vent. Le vent est indispensable. Oh, certainement. Et cela s'est fait remarquer par de grandes choses. De grandes choses telles que, comment est-ce que vous avez conquis le monde du business? Ah, maintenant je comprends pourquoi tu ressembles beaucoup à ton père. Si j'ai reçu dans le monde des affaires, c'est parce qu'un jour j'avais fait un très bon choix. Et je dois ajouter que tu es aussi un grand homme d'affaires. Merci, Sa Majesté. Merci pour les compliments. Je suis grat pour ce grand honneur et un grand respect, particulièrement du grand roi que je le mérite. Très bien. S'il te plaît, voici ma jolie femme, la reine. Ma reine, c'est un honneur de me trouver à ta présence. Sans doute, je soutiendrai que tu as des très belles filles, les plus adorables de tous ces royaumes. Merci. Je dois avouer que tu es un jeune homme très charmant. Ma question est celle-ci. Combien de cœurs de jeunes femmes avez-vous brisé? Non, ma reine, ne vous en faites pas. Absolument pas. Moi, je vois une femme comme un trésor. Un trésor qui doit être protégé, préservé et très respecté. Absolument respecté, ma reine. J'adore ça. Franchement, je trouve que tu es vraiment intéressant. Vraiment. Merci, Sa Majesté. Nous faisons plaisir, sois le bienvenu ici. Merci, monsieur. S'il te plaît, Obo. Sa Majesté. Accompagne-les. En fait, j'aurai besoin de toi un moment. Merci, Sa Majesté. Je t'en prie. Ma reine. Alors dis-moi, de quoi j'ai l'air? Vous êtes très belle, ma part. Ah, je sais. Mais, ma princesse? Eh oui? Vous ne pensez pas que cette tenue vous dévoile un peu trop? Chérie, c'est justement ça l'idée. Et aurais-tu vu le prince quand il est venu? Oui, je l'ai vu. Bien. Oh, si seulement nous avions des chevaux. On pourrait chevaucher. Écoute-toi. Des fois, il me semble que tu oublies ta place et où tu es censée être, hein, princesse. Aussi. Et pour ma tenue dans l'ensemble, tu penses que c'est approprié? Si. C'est très joli, ma princesse. C'est très approprié. D'ailleurs, elle fait ressortir ta beauté. Tu ne la trouves pas un peu trop dévoilante, n'est-ce pas? Non, pas du tout. C'est très parfaite. D'ailleurs, tes sœurs ne t'arriveront même pas à la cheville. Je ne suis pas en compétition avec mes sœurs. Est-ce que j'en ai l'air? Désolée, ma princesse. Ah! Bannis cette idée de ta tête. Et maintenant, aide-moi à rajouter d'autres choses. En fait, j'étais juste allée... Ah, mais tu vas te taire. Ferme-la. Tu étais allée faire quoi? Tu n'as fait que te précipiter sur ce qui m'appartient. Oh, il est à vous? Oui. Mais ma princesse, je pensais que le prince est venu demander la main de... la main de princesse Gina en mariage. Je suis ravie que tu aies dit que je pensais. Parce que c'était qu'une pensée.
Quel mal y aurait-il si c'est pour demander ma main en mariage? Y aurait-il un mal à cela? Absolument pas. Bien. Est-ce que tu viens de dire quelque chose? Ah oui, encore des applaudissements, c'est une fille. Moi, je... Ouais, la très belle reine africaine. Mesdames et messieurs, sous vos applaudissements, on accueille le princesse. Et alors, mesdames et messieurs, c'est avec un grand honneur que je dois vous présenter l'invité de ce soir. Un prince venant de notre grand royaume. Prince Ferguson, mesdames et messieurs. À cela, j'ajoute le grand roi et la reine de notre grand royaume que j'ai l'honneur de présenter. De belles filles de ce royaume au prince Ferguson. Je vous en prie, mes princesses. Oui, la fille aînée de notre roi et de notre reine, la princesse Gina, prince Ferguson. Princesse Gina, le plaisir est pour moi. Tu vaux bien plus que ce à quoi je m'attendais. C'est très gentil de votre part, mon prince. Heureux de vous voir, ma princesse. Princesse Harriet. Ravi de te voir, ma princesse. Tu es également très belle. Merci, mon prince. C'est un grand plaisir, ma princesse. Princesse Perle. Grand plaisir de vous rencontrer, ma princesse. Maintenant, je comprends pourquoi est-ce que ton père a bien voulu te baptiser de ce prénom. Parce qu'en fait, tu es vraiment belle. Magnifique, ravissante que tu es. Merci. Je t'en prie, ma princesse. Tu es très beau. Merci, ma princesse. Ok. Et permettez-moi encore de vous dire un mot de bienvenue et de grâce. Sentez-vous à l'aise. Mangez. Dansez. Buvez. Je vous remercie. J'ai jamais vécu une telle belle soirée. Et j'ai beaucoup à découvrir. Oh, eh bien, j'en suis très ravie. Vraiment, je suis très ravie parce que mère aurait été très déçue si vous ne l'avez pas aidée. Oh, je peux voir ta maman, la reine, une femme très méticuleuse et soucieuse aussi. Eh oui, c'est vrai. Mais regarde, essaie un peu d'observer le sourire que tu présentes. C'est un don. Un don que je ne voudrais pas perdre, même si tu peux. Merci beaucoup, Prince Ferguson. Cependant, vous n'avez pas encore eu l'opportunité de rencontrer mes sœurs. Et tant que vous ne l'aurez pas encore fait,
Vous ne pouvez pas être sûr que c'est ce cadeau que vous emporterez chez vous. Oh, qu'est-ce que tu racontes, princesse? Cet homme qui ne sait pas dire ce qu'il désire déjà à distance est vraiment faible pour un bon jugement. Mais je ne doute pas de votre sens de jugement, mon prince. Ça a été un réel plaisir de discuter avec vous, Prince Ferguson. Peut-être qu'on aura encore cette chance avant que vous ne soyez reparti. Mais en ce moment, je suis fatiguée et j'ai besoin d'aller dormir. Le plaisir est pour moi, ma princesse. Bonne nuit. Bonne nuit. Une bonne sieste. Elle paraît être la plus dure parmi elles toutes. J'ai intérêt à veiller sur elle. Écoute, rappelle toujours aux gars qu'ils ne doivent pas oublier pourquoi nous sommes ici. Et tout ce que nous voulons, c'est atteindre notre objectif. L'atteindre à tout prix, l'atteindre. On doit utiliser n'importe qui. Qu'il soit travailleur ou domestique, je m'en fous. Je vais créer une confusion parmi eux. Et veille à ça. Faisons en sorte qu'ils s'entretuent entre eux. Pour l'amour des dieux, nous devons transformer ces palais en jungle. Je me fous des trucs. Que vous passez des bons moments, Prince Ferguson. Oui, bien sûr. Bien. Tel aussi est le souhait du roi. C'est l'attitude que vous devez garder. Vous ferez mieux d'être prudent. Bonne nuit. Merci. La soirée a été une vraie réussite, n'est-ce pas? Bien sûr, votre majesté. Excepté Gina et Harriet qui se sont présentées avec des vêtements qui ont visiblement déplu au roi. Elle doit être surveillée. Elle paraît être la plus dangereuse de toutes. Et j'en veux beaucoup plus à la personne qui a osé. Tu n'as plus intérêt à refaire ça. Je suis sérieuse quand je te parle. Non mais j'y crois pas. Tu es vraiment égoïste. Oh. Écoute, c'est ce que t'es vraiment très égoïste et sournoise. Comment oses-tu me parler ainsi? Tu ne sais pas faire les choix toi-même? Je vois. Gina, elle s'est moquée de nous. Oui, c'est de la malice. C'est bien toi qui nous as suggéré de mettre ces vêtements où on est presque nus alors que tu avais l'intention de porter mais des vêtements décents. Mais j'avais changé d'avis à la dernière minute, Henriette. Tu n'es pas supposée être un péché. N'importe quoi, arrête de dire ça, c'est dingue. À vous deux, j'ai dit stop. Onochi, Henri, Judith, laissez-nous seuls. Oui, ma princesse. Harriet, assieds-toi. Non, j'ai dit assieds-toi. Allez, vas-y, pousse-toi. Harriet, ce n'est pas un péché, encore moins un crime, de la part de père de nous avoir suggéré de mettre des vêtements qui dévoilent. C'est exactement ce que je disais. Mais elle a porté une tenue différente pour impressionner. Mais qu'importe. Comme elle a dit, chacune avait son avis. Chacune aurait pu mettre ce qu'elle voulait. On aurait pu chacune porter un style totalement différent. Oh non mais Regina, j'arrive pas à te croire. Je n'arrive pas à croire que tu puisses rester aussi calme que ça. Alors que tu sais personnellement que papa est en colère contre nous deux. Oh Miss Parfaite, coupable à mes perles. Perle, parle à Harriet avec du respect. C'est ta grande sœur. Eh bien tu vois, je vais lui donner une bonne gifle. Je le ferai. J'en ai eu ma dose pour aujourd'hui. Je suis fatiguée. Puis-je aller dormir? Oui, tu peux. Bonne nuit, ma soeur. Moi aussi. Gina, elle nous a fait passer pour des filles faciles et désespérées. Harriet, tu te trompes. Nous nous sommes fait passer pour des filles faciles et désespérées. Et d'ailleurs, Perle, c'est notre petite sœur et nous ne pouvons pas lui en tenir rigueur. Ses intentions étaient vraiment très sournoises. Elle reste quand même notre petite sœur. Et autre chose, Harriet, nous devons arrêter de nettoyer nos linges sales devant les servantes. Ça ne fait que enrichir des sujets de commérage. Je connais les intentions de Perle. Je connais ses intentions. Mais tu sais quoi, Gina? Tu peux très bien rester assise là à jouer les gentilles petites princesses, comme tu sais très bien le faire en faisant mine que ça ne te contrarie pas. Mais moi, je ne laisserai pas cela couler. Je ne peux pas.
Bonne nuit. Allô, robot. Qu'en penses-tu? Oui, Sa Majesté, je dois plutôt dire, il nous faut un peu plus de sagesse et devons attacher un peu plus d'attention. Non, c'est pas exactement ce que je m'attendais. Tu sais, il est beau et je sais qu'il va créer des confusions dans les têtes de mes filles. Tout à fait, tout à fait, tout à fait, Sa Majesté. Mais une telle confusion serait maîtrisée si vous vous insistez sur la fille à qui il doit proposer. Non, jamais de la vie, Robo. Tu sais que je ne peux pas faire une telle chose. Je suis pas ce genre d'homme. Je ne veux pas choisir un homme pour mes filles. Mais il va choisir celle qu'il va choisir. Oui, c'est vrai, Sa Majesté. Dans ces cas, on va rencontrer beaucoup de problèmes par rapport à ce à quoi je m'attendais. Bien sûr que oui. On va avoir de sérieux problèmes. Mais c'est pas grave, je pense. Aussi longtemps que la compétition est ouverte, tout peut arriver, mais je ne vais favoriser aucune de mes filles. Aide-moi à porter ça. Oui, entrez. Sa Majesté, veuillez m'excuser pour vous avoir dérangé particulièrement. Je ne saurais pas résister sans pour autant vous dire bonne nuit. En outre, je sais que le roi et en repos. C'est très bien. Sa Majesté, je dois te l'avouer, ça a été une super soirée. C'était illustre, absolument magnifique. Vraiment des beaux moments. Je me suis bien réjoui, grâce à toi. Je suis très ravie que cela t'a plu et que tu t'es réjoui. Dois-je aussi argumenter que tes filles étaient si belles? Superflu, ma reine, que je le dise, si j'ose bien te regarder. Tu reflètes une beauté extrême, reine. Oh, prince Ferguson, merci pour les compliments. Tu sais, ça me va vraiment droit au cœur. Je suis très ravie. Le plaisir est pour moi. Oui. Oui. Bonne nuit, ma reine. Bonne nuit. De grâce, une bonne nuit. Qu'il me soit permis de laisser savourer tes moments de solitude. Oh, je pense que tu devais reprendre ton travail. Je m'excuse si j'étais dérangé, madame. Non, je dois encore. C'est bon. C'est bon, Iberé. Je peux voir que tu ne m'aimes pas. Pourquoi? Oui, pourquoi? Pourquoi est-ce que mon prince dit-il une telle chose? Je vous apprécie. Beaucoup même. Ouais, je voudrais que tu comprennes que je ne suis pas ignorant de tout ce que je fais. Mais en effet, je vais plutôt chercher une opportunité pour discuter avec toi. Tu n'es pas marié, n'est-ce pas? Non. Le mec qui va te rencontrer dans son chemin sera très chanceux. Pourquoi dis-tu ça? Oui, parce que je peux voir derrière ton... Bon, tu es droite, tu caches une attitude. T'es une femme remplie de passion. Passion qui doit être exploitée. N'y penses-tu pas? Le roi, on doit foutre ce camp, amène-toi rapidement. Oui. Tout à fait, Sa Majesté, c'est ça, oui, c'est... Robo, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, Robo? Ah, mais... Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Robo,
Qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, dis-moi. C'est rien, Sa Majesté. J'ai cru que j'ai entendu quelque chose. Recommence pas encore. Tu aimes beaucoup écouter et suspecter les choses. Bien. Je te remercie pour avoir gardé silence. Je pense qu'on aura assez de temps pour passer des moments ensemble. Tu seras surprise au fur et à mesure qu'on évolue ainsi. On a un secret en commun. N'est-ce pas ça? Je compte sur toi, tu ne diras qui que ce soit. Au sujet de tout ce qui s'est passé. Je te ferai une surprise avec des très bonnes propositions. Ah, j'ai changé d'avis. Je dois faire ce que tu es en train de faire. Bonjour, Sa Majesté. Bonjour. Comment tu vas? Je vais bien. C'est quoi encore ton nom? Mon nom est Judith. Juliette? Ouf, t'es un joli nom. Merci. Yeah. Bonjour, Prince Ferguson. Bonjour, ma princesse. Je ne m'attendais pas à vous voir ici. Oui, j'ai changé d'avis. Je disais que ça fait un temps que j'ai remarqué que tu es vraiment devenue une méchante à cause du simple fait que tu n'es pas venu dans ma chambre ce matin. Tu m'as pas dit bonjour pour éclairer ma journée. Tu n'es même pas venu dans ma chambre la fois dernière pour m'amener au lit. Vous savez quoi, Prince Ferguson? Le fait que mon père vous ait accepté chez lui veut dire que vous êtes un excellent homme d'affaires. Exact. Mais apparemment, il ignore que vous êtes comédien. Très marrant. Que fais-tu là? Je suis en train de vous attendre, ma princesse. Oh, s'il te plaît, tu ne peux pas m'attendre en restant debout comme ça. Va te coucher, s'il te plaît. Mais ma princesse, c'est le matin. Quoi? Oh mon Dieu, je dois me réveiller. J'avais trop bu hier. Où se trouve le prince Ferguson? Ma princesse, je l'ai vu se diriger vers la salle de gym. Oh mon Dieu, pourquoi tu ne veux pas réveiller, hein? Ma princesse, vous m'avez défendu de déranger votre sommeil. Mais restez déjà debout comme ça à tout moment, c'est déjà un dérangement. Tu aurais dû me réveiller. Quand il s'agit des choses très comme celle-ci. Mais je ne savais pas que... Dîner avec lui? Non, ma princesse. Oh, je sais que Gina fera tout pour le rejoindre dans la salle de gym. Pourquoi tu restes plantée là? Viens m'aider à porter les habits. Qu'est-ce qui lui arrive à celle-là? Je crois qu'elle s'en va à la gym. À la gym? Cette bonne à rien. Depuis quand elle fait de la gym? Apparemment, elle a entendu dire que le prince Ferguson se trouve à la gym. Le prince Ferguson? Il s'est rendu à la gym? Mais qu'est-ce que je fais encore ici? Ben allez, vas-y, viens, faut que je me fasse un maquillage léger, que je porte des vêtements, tu vois, un truc de sexy. Ouais, des vêtements de sport sexy. Sexy. Allez, Mai, viens! Restez pas plantée là, me regardez. Allez-y plutôt aussi. Formidable. Vraiment très formidable. Et pourquoi personne ne me demande comment je me suis réveillée aujourd'hui? De toutes les façons, est-ce que j'aurai un épisode? Non, vraiment, tu n'as rien manqué, ma chère. C'est vrai? Excellent. Grande sœur, puis-je passer au tapis de course? S'il te plaît. Mais bien sûr, tu peux. Merci.
Tu sais, j'ignorais que tu étais une fan du tapis de course jusqu'à aujourd'hui. Tu ne portes même pas des chaussures appropriées. On finit toujours par commencer un jour, n'est-ce pas, grande sœur? Oui, bien sûr, mon petit bébé. Ouh, ça fait longtemps que tu ne m'as pas appelée comme ça. Eh bien, faut bien commencer un jour. Petit bébé. Très bien, Gina. J'ai écouté. Un machin qui me survolait ici? Rien du tout. C'est juste que ma sœur me faisait un remarque. Prince Ferguson. Oui, ma princesse. Fais-tu bien, Midi, à régler la machine? Non, il ne le fera pas. Je crois que c'est mon tour de faire de la course avec le prince Ferguson. Mais je n'ai rien fait, je viens juste de monter, c'était le tour de Gina. Je suis sourde, dégage. Du vin. Prince Ferguson, tu me feras signe si tu veux qu'on fasse quelque chose de plus intéressant. Ouais, je suis d'accord. Ok. Bébé. Salut. Oui, ma princesse. Alors, dites-moi, vous pouvez me l'actionner? Bien, tu es prête? Ah oui, bien sûr. Alors, tu dois tenir ça attentionnément. D'accord. Et alors, je vais devoir travailler avec toi. Lentement. Et ensuite, on va accélérer. Alors, je crois que je vais avoir besoin de votre soutien. Hey, votre main. Bien. Ok. Là, je crois que je vais tomber. Je crois que je vais tomber. Ah oui, c'est possible. Oh, la scène qui s'est passée. La scène qui s'est passée, je vous jure, il y a eu de l'animation, les filles, vous auriez dû être là. Oh, vous là, vous avez raté quelque chose. Hé, Aloji, est-ce que t'as remarqué un truc? Pour une fois, la princesse Gina est restée sans rien dire. Avec moi, là, ça n'est pas passé. Comment est-ce que je peux le permettre à ma petite sœur de m'humilier? Juste comme ça. Qu'est-ce que attendais-tu qu'elle fasse? Tu aurais souhaité la voir faire quoi? Se mettre en colère devant le prince Ferguson? Ah. Non, je crois que la princesse Gina a bien agi. Elle se respecte. Mais je n'arrive pas du tout à comprendre ce qui se passe entre ses sœurs. Elles se disputent à tout moment, juste comme ça. Hein? Ma chère, depuis que le prince est arrivé, elles se sont littéralement déclaré la guerre. Il ne manque plus qu'elles se bagarrent physiquement. Oh, eh oui, ce n'est qu'une question de temps. Elles le feront, elles vont se bagarrer. Ce prince est celui dont toutes les femmes rêvent. Mais vous savez, il ne va pas choisir toutes les femmes. Parce que le prince Ferguson est amoureux. Oui, c'est ça. Pourquoi là, tu voulais faire ton entrée? Tu voulais faire ton entrée? Non, mais tu rêves, hein? Le fils, si vous avez vu ses yeux, vous saurez qu'il est fou amoureux de moi. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Il ne regarde même pas la princesse Gina. Là, tu rêves. Je t'ai sorti de parler ainsi. Je crois que tes frères les ont envoyés. Qu'est-ce que tu t'entends? Arrête, ne me touche pas. Vous n'avez rien trouvé de mieux à faire que vous tourner le pouce et parler des gens? Mais c'est bien mieux que de s'amourir avec nos invités. Que veux-tu dire? Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas c'était ton nom, hein. Prêtons à tes casseroles. À chacune sa chance. Vous n'avez rien d'autre à faire, ma fille, que de parler des gens. Mais qu'est-ce qui fait traîner tes princesses et le prince? Oh, les voilà. Sa Majesté. Prince Ferguson. Oui, Sa Majesté. Je me faisais déjà de soucis, je me demandais si tu n'allais plus nous rejoindre. Certainement, tu étais dans la salle de gym avec mes filles. Oui, j'y étais, Sa Majesté. Apparemment, tu as aussi de l'expérience dans ces domaines de gymnastique. Tu sais que c'est pas facile d'être prince et les faire aussi bien. Certainement, Sa Majesté, je suis totalement d'accord. Ma reine. Je peux voir que tu es de bonne humeur ce matin. Oh oui, ma reine. Et tes filles ont été super à mes côtés, disons. Ok, c'est bien. C'est vraiment bien. Gina. Tes yeux me semblent un peu étranges.
Tu es sûre que tout va bien? Je vais bien, merci. Tu es vraiment sûre? Oui, père. Très bien. Ma reine, je traverse des moments très merveilleux ici dans votre palais. C'est merveilleux. À chaque seconde, je suis toujours dans l'allégresse. C'est tellement exagéré que je me suis décidé, Sa Majesté, de prolonger mon séjour ici dans ton royaume, Sa Majesté. Je voudrais profiter de cette opportunité pour découvrir davantage vos filles, mieux les connaître. Mais aussi, il faudra ajouter, oui, Sa Majesté, de bien acquérir encore la sagesse de votre part. Oh, ça c'est bien parlé. Merci. Un très beau discours. Dans ce cas, on va s'entraider dans le monde des affaires. Oui, Sa Majesté. Ah mon Dieu, je suis si ravie que vous puissiez rester, Prince Ferguson. Vous commenciez déjà à me manquer. Je n'en suis encore là. Qui est-ce qui a faim? Comment était ta nuit, Steven? Ma beauté, Ozuka. Tu sais, la fois dernière, tu avais épuisé toute mon énergie. Je suis ravie que tu aies passé une bonne nuit. Bonjour, Steven. Oh, les jolies demoiselles. Tu sais, tu peux encore revenir cette nuit. Je pense que cette fois-ci, on va durer plus que la fois dernière. Très bien, Steven. Ça me fait plaisir de savoir que tu aimais ton petit déjeuner. Eh bien, passe une bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir. Bye. Attendez, est-ce qu'il y aura bien pas passé ici? On sait très bien quel jeu elle joue, on le sait. Juste rappelez-vous que ce sont des pas que nous devons suivre. Stupide fouineuse. Zuka. Elle va sortir. Oh chérie. Ce n'est qu'une hypocrite. Mais on l'a attrapé la main dans le sac. Vous avez vu le sac? Collé une. Elle se prend pour qui prenait de haut comme ça? Bonjour les dames. Bonjour. Vous allez bien? Ça va. Vous avez vu ses yeux? Vous avez vu comment il s'adressait à moi? Il est fou de moi. Je croyais qu'il s'adressait à nous toutes. Non, il s'adressait principalement à moi. Écoutez, je sais qu'il m'aime. Je ferai tout pour qu'il soit à moi tout seul. Parions. Je ne parie pas avec une paire d'hommes, chérie. En plus, arrête de vivre dans tes allez, rêves. Allez, parions. Parions. Steven. Ouais. Comment était la nuit? Bien. En fait, je les avais contactés et j'ai eu pas mal d'informations. Bien. Comme je t'avais dit que j'aurais besoin de qui que ce soit qui soit gardien, servant domestique pour nous aider à atteindre cette mission. Nous devons appréhender tout ce qui se passe dans ce palais. C'est ce qu'on doit connaître. C'est ça la finalité. C'est ce qu'on doit faire. Très bien. Allez, au revoir plus tard. Ok. Des fois, je te vois à mon intérieur. Même si tu n'es pas un garçon. Mais je t'aime, toi et ta sœur, vraiment beaucoup. Et je sais que peu importe ce qui va arriver à cette famille, toi, tu feras la revanche pour la famille. Le sang pour le sang. Oui, père. Le sang pour le sang. J'avais découvert en toi cette grandeur depuis que tu étais un bébé. Et tu dois grandir avec ça. Et prends la charge. Rappelle-toi que la gloire n'a jamais été faite pour de faibles, mais pour les braves. Je ne dois laisser paraître aucune peur dans tout ce que je fais. Parce que la peur, c'est l'ennemi. Et si je n'arrive pas à la surmonter,
L'ennui m'envahira et me poursuivra toute ma vie. Ferguson m'avait dit que tu ne devrais pas diriger ce royaume. Mais je ne l'avais pas cru. Viens ici, ma princesse. Très bien, père. Prince Ferguson, j'apprécierais que vous me respectiez devant mes gardes et mes servantes. Oh, ma princesse, je suis désolé, je n'en avais pas l'intention. Peut-être on peut faire un œil privé, au palais, dans mon appartement. Je trouve qu'il n'y a rien qu'on puisse parler entre quatre murs qui ne puisse être dit en plein air. Pourquoi tu me détestes comme ça? Mais qu'est-ce qui peut bien vous donner cette impression, Prince Ferguson? Oh oui, ma princesse, je pense que tu as toujours été sévère et un comportement qui change du jour au lendemain, à mon égard. Ok, peut-être. Laisse-moi vous poser cette question, Prince Ferguson. Et si vous aviez deux frères, face auxquels vous devriez faire face pour une femme, comment réagirez-vous? Bien, je... Vous savez quoi? Je ne m'attends même pas à une réponse sincère de votre part. Le jeu auquel vous êtes en train de jouer, mon père vous en donne la permission. Il vous encourage. Mais pourquoi penses-tu que... Ah, par là, il y a un autre magnifique jardin. Voulez-vous y aller avec moi? Oui, montez-moi, ma princesse. Je peux bien voir qu'il y a quelqu'un que je jubilais d'être à côté du prince. Mais malheureusement, il a choisi une autre personne pour faire la promesse. Perle, surveille ta bouche. C'est plutôt à toi de surveiller ton ego, Harriet. Tu n'es pas la favorite. Mm-hmm. Laisse-moi te dire que tu ne pourras pas être la préférée du prince. C'est plutôt moi ou Gina. Perle, je crois qu'en fait, là, tu commences à dépasser les bornes. Tu dépasses les bornes. Je crois qu'il va falloir qu'une personne te mette en échec. Regarde-moi, j'ai trop peur. Harriet, si ce que tu viens de faire est une menace, c'est de très, très mauvais goût. Tu feras mieux de chercher quelque chose de plus effrayant. Ok? Excuse-moi. Eh bien, petite sœur. Point où nous en sommes, il faut que j'oublie qui tu es. Et de faire quelque chose de vraiment, vraiment moche. Je peux voir que tu aimes beaucoup le prince. Pourquoi tu parles de cette façon-là? D'ailleurs, le prince plaît à toutes les femmes. Ça confirme ce que je pensais. Tu m'aimes pas du tout, c'est ça? Mais tu ne connais absolument rien à propos de moi. Ouais, peut-être ce soir. Si tu as le temps, j'aimerais passer un moment avec toi. Pas du tout. Je crois que tu auras de la compagnie. Quoi? Azoka, bien sûr. Ou soit tu crois que je ne suis pas au courant de ça. Mon père m'emmenait très souvent ici quand j'étais enfant. Et nous nous promenions. Trop bien. Et je pense que tu l'as beaucoup manqué. Peut-être. Un grand mécène comme ton père ne devait pas manquer un fils, grand garçon, qui prendrait ce pouvoir. Peut-être. Je pense que s'il a trouvé consolation de t'envoyer pour jouer un rôle d'un garçon, c'est bien. Est-ce que ça, c'est supposé être un compliment? Bien, oui. Comme je disais, tu seras une très belle femme. Cela vaut aussi pour mes petites sœurs. Alors tout dépendra de laquelle de nous trois sera élue. Bien, plutôt la question serait, pourquoi ton père a-t-il porté son choix sur moi? Bon, en fait, c'est la raison pour laquelle je suis loin de ta compréhension, mais bientôt tu sauras la réponse. Tu vas bien? Je dois reconnaître que vous me faites de l'effet. Mais d'une part, en plus d'être ravie, j'en suis tout autant horrifiée. Oh,
Oh, tu vois la prince Ferguson. Je t'ai cherché partout. Bien. Me voici. Alors, prince comment... Ferguson, vous rappelez que vous m'aviez promis qu'on devrait parler. Harriet. Perle. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez vous, les filles, hein? Ne voyez-vous pas que j'ai une discussion privée avec le prince Ferguson? Oh, vraiment? Oui, vraiment. Tu n'as tout de suite le dire gentiment, pas besoin d'être aussi dur. Excusez-moi. Ah, bien, j'avais demandé de parler en privé dans ma chambre. Eh bien, prince Ferguson, tant que vos intentions me sont encore inconnues, une telle chose ne se produira jamais. Très bien, dans ce cas, je m'en vais pour me coucher. Oui, ma princesse. Bonne nuit, prince Ferguson. Can you believe what you see with your eyes? Can make you scared so bright at your eyes? Hé, c'est quoi ton nom? Joli nom. De tous mes jours passés dans ce palais, j'ai jamais connu ton nom. Et vous êtes toute belle. Dis-moi, c'est depuis combien de temps que tu travailles dans ce palais? 6 ans. Intéressant. Ça veut dire que tu connais un peu plus à propos de Gina, princesse Gina? Ah, intéressant. Peut-être tu devras me dire à son sujet? Oh, honnêtement, pas ici. Dans ma chambre. On peut y aller? Ok. Mais ça c'est parfait. Ok. Attends. Donne-moi une minute. Vous avez demandé ma présence, à Majesté. Oh, prince Ferguson, je parle au téléphone là avec ton père. ça tombe bien, tu es là. Il souhaite te dire un mot. Oui, roi Philippe, désolé de t'avoir fait attendre. Désolé, ton fils Ferguson n'est pas là. Je pense qu'il est occupé en ce moment. Donc pour l'instant, tu ne peux pas lui parler. Oui, il passe un très bon moment. Tu vas lui parler d'un moment à un autre. Ah ouais, je t'en prie. C'est pas grave. Ok. Oh oui, bonne nuit. Merci, Sa Majesté. Ah, je suis à bout de souffle. Pourquoi tu n'as pas voulu parler à ton père? Bien, Sa Majesté. Mon père oublie que je suis un adulte. Et je peux confortablement prendre bien soin de moi-même. Mais... c'est toi qui prends en charge toutes ces affaires. Il vient de me dire tout à l'heure au téléphone qu'il a des documents que tu dois nécessairement lire. Oui, Sa Majesté, ce document peut attendre. De toutes les façons, je suis en vacances. Vacances, Sa Majesté. Oui, en vacances. Oui, tu es en vacances. Oui, Sa Majesté. Oui, dis-moi, comment s'était passée la sortie avec ma fille Gina? Oh, fantastique. Formidable scénario. Super. Vous avez un si beau... un si beau royaume, Sa Majesté. J'ai vraiment aimé. Je souhaite que tu restes ici pour voir encore plus. Oui, Sa Majesté. De toutes façons, je suis désolé de t'avoir dérangé pour ce que tu étais en train de faire. Tu peux rentrer. Merci, Sa Majesté. Merci. Vous êtes un monsieur honorable, Sa Majesté. Merci. non. Oui, c'est bon. Okay. Oui, ça va.
pourquoi il n'a pas voulu parler à son père. Sa Majesté, je constate que les jeunes hommes étaient tantôt usurpés. Usurpés? Oui, Sa Majesté. Pourquoi donc? Ma princesse, vous n'êtes pas encore au lit? Hé, qu'est-ce que tu cherches ici à cette heure? J'accomplis une tâche pour la reine. Vraiment? Maman n'est pas encore partie au lit? Non. Je vois. Que faisait cette sorcière debout à 7h de la nuit? Je te prierai d'être vraiment patient pour avoir ce que tu me demandes. Je vois bien, je suis un homme patient. Et tu dois savoir, je n'attendrai pas une éternité pour avoir ce dont j'ai besoin. Hey, comment vas-tu? Ça va, merci. Cool. Je pense qu'il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Je me demandais pourquoi est-ce que vous n'êtes pas venu voir la reine après le dîner. J'ai décidé de venir voir si vous alliez bien. Oh, c'est gentil de ta part. Tu es très attentive. Ouais, comme tu peux voir, je vais bien, je suis très très bien. Ça m'est trompé à cette heure, tu devais être au lit. Oui, mais j'ai d'abord décidé de passer prendre de vos nouvelles. Si tout allait bien, que si vous auriez un besoin. Tu es très gentil. Tu es très très gentil. Merci. Ben, j'aurais bien voulu t'inviter pour discuter ensemble, mais je lis un livre. Bon, bonne nuit alors. Votre Majesté. Bien, je peux avoir ici un petit baiser. Trop bien. Goodbye. Julie, tu peux sortir maintenant. Oh mon Dieu, c'était qui? Oh, la vieille femme, la maîtresse de la reine était venue te voir si je dormais déjà. Ne la suis pas, oh. Elle n'était pas venue pour ça. C'est une femme vraiment désespérée. Je ne veux pas être vue par cette sorcière de Béret. Suis-je surpris de te voir? Ok. Tu vas trop bien. J'avais pu remarquer que Gina attirait ton attention. C'est pour ça que je suis venue te voir dans la chambre. Bon, qu'allons-nous faire? Hé, hey. Salut. Prince. J'arrivais pas à dormir, alors je suis venue voir si vous étiez encore éveillé. Bien, je t'ai pas vu depuis le matin. Oui, je vois que vous êtes éveillé. Est-ce qu'on peut passer du temps ensemble? Oui, bien sûr. Ah, bien sûr, génial. Je vois. Perle, mais qu'est-ce que tu fais ici? Je te retourne la question. Prince Ferguson, je suis désolée, vraiment désolée, j'ignorais que ma sœur était ici. Perle. Il a besoin de dormir, alors allons-y, quittons, laissons-le se reposer. Pourquoi vous veux-tu qu'on aille? J'ai dit allons-y! Hé, les filles, écoutez. Ok, Perle, je pense qu'on aura le temps pour continuer notre conversation même demain. Obéis d'abord à ce qu'il dit. Allez, mange par là! Bouge!
on se reverra. Oh mon Dieu, si on me trouvait ici, ils vont me tuer. Je vais mourir d'agonie. C'est fini, plus personne ne viendra. Regarde. Perle? Perle, arrête-toi là. Quoi? N'as-tu pas honte de toi? Si tu t'es obligé d'aller dans la chambre du prince Ferguson et nous embarrasser, est-ce que tu en étais obligé? Pour ton information, j'étais arrivée là-bas avant toi. Je sais très bien la raison pour laquelle tu étais allée le voir. Perle, tu es sans aucun doute sourde. Parce que tu n'as pas écouté mes explications. J'ai dit que j'étais fatiguée, que je n'avais pas dormi, c'est pour ça que... Je suis allée le voir. Je ne parvenais pas à dormir. Perle. J'essaie de me faire croire que tu ne parvenais pas à dormir. Donc c'est pour ça que tu voulais quitter donc quelque chose pour t'endormir. Un doux massage. Relaxant. C'est du n'importe quoi. Dis-moi tout ce que tu sais. Tout ce que tu connais. Tout ce que tu sais. À propos du roi, ses filles et la reine. Quand les gens ont placé ton si bas, moi je dis gel. Je veux passer la nuit avec le prince. Ah, si, bien il sûr. Il n'a pas tenu compte de mon statut ni de mon uniforme. Ça, c'est bien la copine, hein. Tu te souviens aussi de moi, mon ami, hein. Et puis, dégage, c'est qu'une rêveuse. Judith. Ma princesse. Où as-tu dormi la nuit dernière? Je vais dormir à la chambre qui se trouve au rez-de-chaussée. Est-ce que pour toi, j'ai l'air de plaisanter? Très bien. Laisse-moi te reformuler la question. Est-ce que tu t'es rendu à la chambre du prince Ferguson la nuit passée? Non, je vais passer la nuit. Maintenant, je veux que tu répondes à ma question. Oui, j'y étais. Dude. Can you believe what you see with your eyes? Can make you scared, so you run and you hide. It's the evil, the lust, and the heart of a noble motherland. He's so faceless you can never find, and his words are nothing but lies. Yet his sweet words can make you laugh. He's the devil in disguise. Save the kingdom, yes, save the kingdom. High, high, high. Save the kingdom, yes, save the kingdom. High, 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 high. He'll be talking and walking and smiles. Deep within his plotting you cry. When you least expect, he will strike, and the kingdom tumble down. Smooth operator, so sleek and so sly. Ce que je dirais, en fait, non, ce que je dirais... Je dirais plutôt, tu es une belle femme. Extrêmement précieux qu'un diamant.
qui a besoin de plus d'attention dans sa vie. Qui paraît, je dirais... Oh, ma reine, voici Oak, l'homme aux plus belles touches du monde, qui peut t'encadrer avec des aventures qui te rendent folle, folle. Et les gens qui viennent visiter mon royaume avec toute leur fortune payent le service de ce garçon. Beaucoup plus sollicité par les femmes. Sa Majesté, mon prince. Eberé. Oui, votre Majesté. Laisse-nous, s'il te plaît. Oui, votre Majesté. Oh, assieds-toi. Merci, ma reine. Je dois avouer que vous êtes un bel homme. C'est la raison pour laquelle la majorité de tes audiences sont des femmes. En réalité, je suis rien, mais honoré, Sa Majesté. Le roi n'est pas au courant que vous étiez allé visiter le prince Ferguson dans sa chambre. Plutôt, il semble qu'il y ait quelque chose qui ne marche pas parmi vous les filles. Cependant, il insiste que vous devez rejeter cela, qu'il ne la prenne plus chez qui que ce soit, y compris la reine. Et il faudra éviter toute pagaille que pourra s'aimer le prince. Nous avons très bien compris les soucis des papas. Oncle Lobo, s'il te plaît, dis à Henriette de faire marche arrière. Quoi? Le prince Ferguson s'est comporté en John Clement. Il n'a pas voulu lui dire en face. Je vais te tuer, je vais te tuer si tu ne la fermes pas. Attendez. Un instant. Oncle Lobo? Oui. J'espère que tu comprends de quoi je parle. Et ma chère sœur, on ne règle pas tous les problèmes en proliférant des menaces ou par des tiraillements. Tu feras mieux de demander à Dieu l'esprit de discernement. Oh. Attendez, un instant. Mais pourquoi vous ne voulez pas vous calmer? Imbécile. Oncle, elle a monté ça de toutes pièces parce que tout ce qu'elle vient de vous raconter est totalement faux. Oui, je peux comprendre ça différemment. Regarde, ma princesse, tu as fait exactement ce qu'elle pouvait aussi faire. Vous qui êtes née de reconnaître vos jeunes sœurs, tu ne sauras pas la vaincre en te laissant emporter. Jamais oublier cela. Je sais ce que je dois faire. Je sais ce que je vais faire. Ouais, je veux que tu l'observes. Mais dans quelle folie tu t'es embarquée, Judith? Comment est-ce que j'allais savoir que Judith est si jalouse de moi jusqu'au point de m'accuser? Est-ce que tu réalises les conséquences qui vont en suivre? Tu parles de quelles conséquences? Suis-je la seule personne qui était allée voir le prince? Ah mon Dieu, Judith, j'arrive pas à croire que tu sois si naïve. Mais est-ce que tu oublies qui tu es, une serpente? Mais qu'est-ce que cela est censé faire? Vous n'avez jamais écouté l'histoire de Blanche-Neige avec le prince? Donc tu es Blanche-Neige? Continue encore à dire que le prince ne peut pas épouser une servante. J'ai pitié de toi. Laisse-la. Laisse-la assise là à fantasmer sur le prince au lieu de chercher une solution. Vous savez, peut-être que je ne devais pas... Je suis vraiment choquée que tu prennes tout ça à la légère. Je dis sérieusement. Je crois que je dois aller voir la reine. Peut-être qu'elle va m'aider. Qui sait? Seigneur. Judith, mais dans quel monde vis-tu? Mon ami, arrête de traîner dans le coin, ok? Fais tes bagages et fuis. Arrête ça, je ne peux pas du tout faire ça, c'est un plan de fou. Tu veux que je ne puisse plus voir le prince? Mais tu n'es pas dans un rêve. Judith, tu es une servante, une domestique, et c'est ce que tu as toujours été. Oh bon Dieu. Surtout dis-toi. Eberé, dis-moi que ce que j'avais écouté n'était pas vrai. Je n'ai rien fait de mal, votre majesté. Je suis juste allée voir s'il allait bien parce que j'ai constaté qu'il n'était pas venu vous dire bonne nuit. Je l'ai fait pour vous, en sachant combien sa présence vous fait plaisir. C'est que tu avais vraiment grand.
tes actions ont été vraiment mal interprétées. Oh, madame, ma reine, votre majesté, je dépose ma cause entre vos mains. Je redoute ce que le roi me ferait si vous êtes déçu de moi. Lève-toi. Merci, majesté. Qu'est-ce que je veux faire maintenant? Je déteste me retrouver dans ce genre de situation. Tes actes me poussent à mentir à mon mari le roi. Je pense que je dois faire une exception. Oh, faites pas les messages, oui. Qu'est-ce que ma reine? Voici, oh, mais qu'est-ce qui ne va pas ici? Continue à passer. Ça y est, sa majesté. Ça va, sa majesté. Merci. Vous savez, ces gardes ont été vraiment sages. Ils ont gardé quelques informations. Laissez-moi vous dire que ça risque de dégénérer. Ils seront punis pour ça. En fait, selon l'information qui m'a été donnée par Ozoka, la servante de la reine et deux autres filles sont en danger de mort. On ne doit pas laisser Judith souffrir comme ça, on doit faire quelque chose. Tu ne comprends pas ou quoi, prince Adam? Ils ont tout compris. Et je suis même convaincu que tous les yeux dans ce palais sont sur nous. S'il te plaît. Si nous continuons ce combat, nous allons mourir. Nous ne pouvons plus nous sacrifier. Ça va être stupide et fou pour nous d'intervenir maintenant. Gars, si nous osons intervenir dans ce stade, nous mettons la mission en péril. Exactement, oui, prince Adam. Sauf si tu veux, je sais pas, mettre ta vie en danger. Jamais. J'ai juré au prix de ma vie. Je dois achever cette mission. Vas-y, allez, fais-le bien. Ok, vas-y, fais ça lentement. Ouh. Calme-toi, c'est quoi, calme-toi, cette ça ira. Stupidité que j'ai écoutée. Oh mon Dieu. Aïe, Ebéré, s'il te plaît, laisse-nous. Oui, votre majesté. Sa majesté, c'est quoi encore cette stupidité que j'ai écoutée? Que ma servante s'est rendue à la chambre du prince Ferguson. Si je me rappelle clairement, elle était à côté de moi. J'aimerais vraiment savoir si ses commères l'ont vraiment vu entrer dans cette chambre. Ma reine, c'est la raison pour laquelle j'avais besoin d'une confirmation de ta part. Mais laisse-moi te dire que je suis totalement convaincu que c'est un mensonge. C'est exactement ce que je me disais. Ebéré a travaillé pour moi durant de nombreuses années. Elle est impeccable, correcte. Comment les gens peuvent diffamer comme ça? En traînant le nom d'une personne intègre et correcte dans la boue. Te dérange pas beaucoup, ma reine. Tout est maintenant sous contrôle. T'inquiète pas. Oui, Obo. Sa majesté. Allons-y parler concernant la fin de cette histoire. À vos ordres, sa majesté. Oh, ça me rappelle, ma reine. Montre ton autorité dans ces palais, ok? Je le ferai. Désolé pour ce qui t'est arrivé, sa hein? Majesté. Sa majesté. Sa majesté, c'est plutôt regrettable et très pénible pour moi. Et mon père sera très déçu s'il apprenait cela. T'inquiète pas du tout, prince. Je ne pense pas que ton père sera au courant de ça. La chose la plus importante ici est que tu te sens confortable et tu es à l'aise dans mon palais. Oui, c'est vrai, je le suis, sa majesté, mais le passé et les présentes circonstances, je veux arrêter mes vacances et retourner dans mon royaume. Pourquoi?
Est-ce que tu n'es plus errée ici? Je le suis, Sa Majesté, mais... Non, tu ne peux pas faire une telle chose. La femme qui a causé ces problèmes devra être réprimandée pour ça. Sa Majesté, ça c'est un autre point que je voudrais soulever. Je ne veux pas que quiconque souffre à cause de moi. Tu te déranges beaucoup, jeune homme. Cette servante en question a énormément causé du tort dans ce palais. Elle a une mauvaise réputation, n'est-ce pas, Hugo? Oui, Sa Majesté. Tu comprends ce que je veux dire? Ce que nous allons faire est ceci. Nous allons la renvoyer. Mais tout ce qu'on lui doit comme argent, pour tous les temps qu'elle a passé ici dans les palais, lui sera versé. Hugo, assure-toi-en. Sa Majesté. Bonjour, père. Oh, ma princesse. Comment tu vas aujourd'hui? Très bien, père. Comme tu peux voir, elle est vraiment obsédée concernant tout. Je te suggère de lui parler. Oui, Sa Majesté. Merci, Sa Majesté. Je t'en prie, mon fils. Sa Majesté, pourquoi insister pendant qu'il veut lui-même partir? Je les ai plutôt trouvés confortables ici. Je sais ce que je suis en train de faire, Hugo. Je vais beaucoup réfléchir pour prendre une telle décision. Maintenant, t'inquiète pas, il va l'épouser. Et après ça, je vais mettre ma main sur les affaires de son père. Et le monde sera meilleur pour nous tous. Ne te fais pas de soucis, c'est encore un long chemin. Sa Majesté. Soaking the walking smiles, deep within his closet cries. When you least expect, they will strike, and the kingdom tumbles down. Smooth off the rails. Est-ce que l'un d'entre vous aurait vu le prince Ferguson? Je l'ai cherché partout. Princesse Ariette, tu es censée connaître l'heure qu'il est, n'est-ce pas? 17h15. Pourquoi? Oh, dans ce cas, il est déjà parti. Que voulez-vous dire par là? Tu veux nous apprendre que tu sais pas? Savoir quoi? Mais tu vois pas l'air qu'il est? Donc, il a disparu. Il a disparu? Princesse Ariette, c'était juste une blague de la part d'Oppo. Si tu n'as pas vu Prince Ferguson, peut-être qu'il est en train de faire une... C'est des très drôles. C'est le kingdom. Yes, c'est le kingdom. He'll be soaking the walking smiles deep within his closet. Halotti, viens ici. Si le prince Ferguson n'est pas avec le roi ou la reine, où est-il? Ma princesse, je crois que... Hache, faut que je réfléchisse. Pardonnez-moi, ma princesse. Où est-il? Qu'est-ce que tu essaies de dire? Ma princesse, je me disais que, comme vous avez essayé d'aller le voir dans sa chambre, vous avez toqué à sa porte, mais sans réponse. Avez-vous vérifié chez la princesse Gina ou la princesse Pearl? Non, Gina ne le laisserait pas entrer dans sa chambre. Elle refuserait.
Il n'oserait pas non plus se rendre dans la sienne sans escorte. Mes perles. 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 Oh, quelle stupide fille. Merde. Je suis sûre qu'elle est avec lui. Qu'est-ce que tu cherches dans ma chambre? Comment ça? C'est toi que je cherche. Je peux bien voir que tu as l'habitude d'entrer dans ma chambre à n'importe quel moment. Et tu ne trouves même pas l'intérêt à toi. Écoute, j'ai essayé, j'ai... Assez, s'il te plaît, arrête ça. Tu n'es qu'une fouineuse. Tu cherches toujours à violer mon intimité. Pourquoi? Oh, c'est pas si bon, je suis désolée, ça va. Bon sang, je sais que je suis entrée dans ton sanctuaire, je suis désolée, j'ai pas toqué. Excuse-moi. Hé hey. Je suis là. Dis-moi ce que tu voulais. C'est plus important. Tu sais quoi? À moi de te poser une question. D'où est-ce que tu viens? Mais je viens de la chambre d'Edina. Et en quoi ça te concerne? Je crois savoir pourquoi elle me cherchait. Elle a cru que j'étais avec le prince Ferguson. Je voudrais juste discuter légèrement avec toi. Connaître ce que tu penses et aussi plaider pour son cas parce que de toute façon c'est ta servante. Mais je ne vois pas ce que vous auriez pu chercher à savoir sur moi que moi-même j'aurais pu vous le dire. Trop bien. J'accepte mon erreur. Je suis désolé. Ok. Mais j'espère que ça ne se reproduira plus. Jamais, ma princesse, ça ne se reproduira plus. Que faites-vous? Levez-vous avant que quelqu'un ne vous voie. Personne ne me verra. Je suis chez moi. En outre, je n'aurai pas honte de marcher nue devant une personne que j'aime beaucoup. La femme qui me donnera de beaux, très beaux enfants. Ne refaites plus ça. Plus jamais. Comment saurais-je que vous m'avez pardonné, Mes paroles ne suffisent-elles pas? Non. Ajoutez encore un truc. Faisons ceci. Que venez-vous de faire? Je vous ai embrassé. Et je le ferai encore. Et si c'est pas la maison de mes parents? Vous m'avez dit que vous allez me ramener à la maison de mes parents. Je vous en supplie, emmenez-moi. Mais pourquoi t'es-tu allé regarder ces autres servantes? Pourquoi? Pourquoi? Mais c'est pour ça que tu avais été. Pourquoi tu t'es parti? Pourquoi? J'étais sous l'emprise du diable et je vous en supplie. Je ne peux plus faire ça. Je ne vais plus refaire ça. Je vous en supplie. Vous avez caché un peu d'argent et je vais vous le donner. Je vous en supplie. Aidez-moi. Aidez-moi. Je vous en supplie. Épargnez ma vie. Je vous en supplie. Je suis le seul enfant chez nous. Je me perdis mes deux frères. Si vous m'étiez maintenant, mes parents vont rester sans eau. Je vous en supplie. On va te laisser vivre. Êtes-vous sérieux? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous remercie infiniment. Mon Dieu va vous bénir. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup. Donne-lui sa valise. Va-t'en. Vite. Que je parte. Je pense que rien nous arrive et que ton père ne vienne pas ici dans ce royaume. Alors va-t'en. Merci. Merci.
Qu'est-ce que c'est? Pourquoi m'as-tu permis de dormir aussi longtemps? Oh, mais moi aussi j'ai pris tout du temps. Oh. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien du tout, je vais bien. Oh chérie, s'il te plaît, tu ne dois pas te sentir coupable, ni triste, quoi que ce soit. On va se marier. Oui. Si seulement tu fais ta demande, ce que je viens de faire, c'est vraiment, vraiment stupide. Oh, comment? Je sais, on doit toujours se réjouir. Judith. Père? Oui, ma princesse, c'est quoi le problème? Judith, quel a été son sort? Oh non, Gina. Judith sera bien. Mais papa, tu me l'as promis. Oui, je t'avais promis, Gina, que j'allais investiguer sur ces cas. Et je l'ai fait. Et pourquoi? Mais quoi alors, père? Dis-moi, hein, quoi? Princesse, Judith a été renvoyée à la maison chez ses parents. Père, non, père. Gina, regarde, calme-toi. Ce qu'elle avait fait était mauvais. Pour l'intérêt de ce palais, elle devrait quitter, bien sûr. Gina! Non, Sa Majesté, ça va aller. Tout ira mieux. Ne vous en faites pas. Elle ira bien. J'espère qu'aucun mal n'est arrivé à Judith. Je ne me le pardonnerai jamais. Entrez. Hé, hey, grande sœur. Hey. Alors, tu vas bien? Est-ce que tu sais que je t'ai cherché partout? Où étais-tu, passe? Gina? Étais-tu en train de pleurer? Non. Je vais bien. Non. Qu'est-ce qui va pas avec toi? Henriette, j'ai dit que... Ok, j'étais en train de pleurer, mais je vais bien maintenant. Ouais, tu étais en train de pleurer. Alors, dis-moi, pourquoi est-ce que tu pleurais? Ah, je vois. Parce que Judith t'y fait renvoyer. Écoute, père a dit qu'il... Tu ne comprends pas, Henriette. Judith a été mise hors de ce palais cette nuit. Ah, mon Dieu. En fait, je pensais qu'elle était... Où étais-tu passée? Qu'est-ce que vous êtes en train de conspirer? D'une manière, tu ne sais pas que tu dois d'abord toquer avant d'entrer dans la chambre d'une personne? Henriette, Gina est ma sœur. Elle n'est pas une autre personne. Et d'ailleurs, c'est... Pitié, arrêtez tout ça! J'en ai marre de vos chamailles! Je crois avoir été servie pour aujourd'hui, de grâce! Seigneur! Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Il y a des larmes dans tes yeux. Père, comme tu as envie de jouer à l'idiote ici, je vais te filer un coup de main, ok? Judith a été mise hors du palais. Hein? Et c'est pour ça qu'elle faisait cette tête d'enterrement? Cette stupide fille haït ce qu'elle méritait. Père, pourquoi n'as-tu donc pas de sympathie? Vraiment? Alors, Gina, laisse-moi te rafraîchir la mémoire. Qui était parti accuser Judith chez papa? Bien sûr que c'est toi. Alors, pourquoi tu t'es mis à pleurer maintenant? Ça, c'est bien toi. Tu arrives toujours à prendre chaque situation à la légère. Pourquoi est-ce que tu fais toujours ça? C'est vrai, Henriette, c'est la vérité. Si cette stupide Judith ne s'était pas mise à raconter à ses amis tout ce qui s'était passé ce jour-là, Gina n'allait pas accuser chez papa et personne n'allait mentir sur elle.
Qu'est-ce qui se passe ici? Mentir sur elle? Je ne comprends pas. Nous ne sommes pas supposés parler de ça, oui. Balance. Maman n'est pas non plus censée savoir cela. J'ai dit balance. Ok, on doit tout dévoiler. Et Gina n'est pas maman. Il paraîtra que Judith n'était pas la seule personne à entrer dans la chambre du prince Ferguson. Écoutez les filles, écoutez. Ebere a commis exactement le même crime. Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas été punie pour cela? Pourquoi? Maman aime découvrir sa servante. Où est ma mère? Elle n'est pas là, elle est sûrement avec papa. J'espère qu'il n'y a pas de problème. Bien sûr qu'il y a un problème. Et c'est toi le problème. Je dis, tu as commis le même péché que toi et elle a été mise à la porte. Je ne comprends pas pourquoi tu continues toujours à vivre dans cette maison. Pouf! Ma reine, j'ai aimé votre venue parler avec moi. Et je ferai exactement tel que vous me suggérez. C'est le mieux que tu puisses faire. Tu dois choisir laquelle de mes filles veux-tu épouser. C'est comme qui dirait, contentez-vous de ce que vous avez. Contentez-vous de ce que vous savez. Juste passe à ma reine. Ma reine. Vous êtes une très belle femme. J'aurais souhaité vous rencontrer des gens dans la vie. Durant votre jeunesse. Bien. J'étais ordinaire. Alors, mes filles sont très chanceuses. Tu me comprends? Je pense bien. Vous avez présenté une peine autrefois. N'est-ce pas? Tu te rappelles de ça? C'est vraiment une bonne chose quand un homme est attentif aux femmes. Et j'ai besoin de... Oui, cela avait débuté comme un jeu, mais soudainement... J'avais commencé à ressentir des douleurs partout. J'ai une parfaite solution pour vous, ma reine. Opoko, c'est une solution fantastique pour vous. Tout ce que vous voulez, c'est un massage. Un truc qui va vous plaire. Il peut faire un travail splendide. Ma reine. C'est un garde spécialisé en ça. Si le monde, mère, protège-moi. Qu'on soit scellé pour la vie. Sois d'accord avec moi. Mais rassure-toi que je ne trouve pas la mort. Henriette, si maman n'est pas avec papa, où peut-elle bien être à une heure pareille? Eh
Eh bien, je me disais peut-être qu'elle est en ce moment-ci avec le chef pour préparer le menu de demain. Vous avez toutes vu comment maman s'implique pour le repas depuis la venue du prince Ferguson ici. C'est ce que moi je pense. Mais c'est plutôt Hébert qui devait s'occuper de ce genre de travail. Oui, et Les filles, qu'est-ce que vous faites debout à 7h de la nuit? Nous te cherchions, mère. Partout. Y a-t-il un problème? Non, mère. Mais j'étais juste en train de me dire. Si tu as pu protéger Hébert d'être puni, pourquoi ne l'as-tu pas fait pour Judith? Je n'arrive pas du tout à comprendre ce que tu essaies de dire par protéger Hébert. Je ne te comprends pas, ma fille. Tu feras mieux de m'expliquer clairement. Maman, réalises-tu que Judith a été mise en dehors de ce palais et que n'importe quoi pourrait lui arriver? Oh, rien ne va lui arriver. Judith a été renvoyée chez ses parents. D'ailleurs, nous l'avons remerciée en lui donnant de l'argent pour le temps qu'elle a passé avec nous. Maman, de quelle utilité serait cet argent si Judith perdait sa vie? Ah, ça c'est vrai, mère. Parce que quand j'étais à l'école, j'ai entendu dire que papa tuait toute personne renvoyée de son palais. C'est ce qu'on dit. Maman, moi aussi je l'ai écouté. Et ça s'est passé dans cette maison. Si tu veux que je compte, je te dirai les nombres exacts de personnes qui ont disparu mystérieusement en travaillant dans cette maison. Ça suffit, arrête avec ça. Qu'est-ce qui ne va pas? Si votre père est soi-disant un démon, c'est à vous de le protéger et non à lui condamner. Dites-moi, où est parti votre sens des responsabilités? Vous, les filles, j'aimerais que vous puissiez savoir que dans chaque famille, il y a toujours un secret. T'es mère? Mère, c'est quoi que ce soit, je dis bien quoi que ce soit arrivé à Judith, je me mettrai en très grande colère. Bonne nuit, mère. Elle a textuellement les comportements de son père. Et pourtant, elle ne fait que remettre en cause ses décisions. Je l'ai toujours su, mère. Toujours. Bonne nuit, ma chérie. Bonne nuit, mère. Maman, tu viens d'où comme ça? Est-ce que je t'ai dit récemment combien je t'aimais? Bien, laisse-moi te dire que je t'aime vraiment beaucoup parce que tu me rappelles exactement quand j'avais ton âge. Bonne nuit, ma fille. Je sais que nous faisons une course contre la montre, mais y a quelqu'un qui soit informé au courant du meurtre? Pas encore, mais j'avais écouté près de mes hommes qu'elle a été jetée en dehors des palais. Oui, c'est ça. Je vois. Tu seras avec Azuka cette nuit? Certainement. Tu as posé tes empreintes sur la fille de telle sorte qu'elle n'arrive pas à se détacher de toi? Oui, je fais de mon mieux. Ok. Hugo, j'ai un job pour toi. Ok. J'ai dit à la reine que tu es un grand masseur. Un masseur au palais. Trop bien. Tu dois te rassurer que tu dois marquer. Je vais le faire. Tu dois la masser jusqu'à ce qu'elle va se fatiguer. Oui, André. Ah, bonsoir, Majesté. Comment allez-vous? Comment veux-tu que j'aille? Oui, je dois te dire, je suis vraiment honoré d'être ici. Merci beaucoup. J'espère que tu as de belles mains. Je n'ai pas seulement le meilleur main dans ce palais, mais j'ai aussi les instruments qui peuvent rendre n'importe quelle fille heureuse.
Oui. On peut commencer? Oh, bien sûr que oui. Ok. Ok. Oui. Non, pas ça. Essayons ça. Oui. Oui, et ça aussi. Votre Majesté, vous ferez mieux de vous déshabiller pour que je vous fasse un massage propre. Dépêchez-vous. Ah. Ouf, ça va chauffer. Ok. Votre Majesté, moi et vous savons très bien que ça va être difficile pour moi de vous masser lorsque vous avez vos habits sur vous. Ou soit, dois-je chercher une fille pour faire ce travail? Qu'est-ce que vous en dites? Parlez-moi. Oh, mon Dieu. Papa? Oh, ma princesse. Comment vas-tu? Je vais bien. Tu n'es pas encore au lit? Oh, je suis allé voir ta mère avant de me reposer. Elle dort profondément. Et je suis certaine qu'elle rêve de toi. Bien sûr. Et si elle se réveille demain matin, elle nous dira que nous avons une chance d'avoir un père comme toi. Qui satisfait à toi? Elle fait ça parce qu'elle vous aime. Je sais, mais elle nous le répète tout le jour et ça devient saoulant. Un jour, je vais me marier à un prince riche pour être comme. Tu le seras un jour, ma princesse. En réalité, tu vas épouser un homme très riche. Oui. Attends un peu. Mais qu'est-ce que tu fais à cette heure ici? Je n'arrive pas à dormir. C'est pour ça que j'étais allée dans la chambre de Jenny et elle est très fâchée à cause du départ de Judith. Oh, je comprends. Oh, ça ira, ma fille. Mais pourquoi tu ne pars pas au lit? Force le sommeil et moi je pars voir ta mère. S'il te plaît, papa, j'ai quelque chose de très important à te dire. Ça ne peut pas attendre. S'il te plaît, viens avec moi. Attends. Vraiment? Oui, c'est bon. S'il te plaît, viens, papa. Tu iras voir maman. Oh, ouais, ouais. S'il te plaît, papa. Devrons-nous prendre cette direction ou celle-ci? Par là, par là. Oh. 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 J'adore ça. C'est vraiment beau. Oh. Oh. J'aimerais que tu sois nue, Marie. Oh. C'est vrai que tes mains sont si tendres. Les meilleures mains de ce palais, c'est ce que tu veux dire? Oui, c'est vraiment relaxant. Pourquoi tu t'arrêtes? Je commence à prendre du plaisir. Pourquoi? Votre Majesté, oh ma reine. Ce que vous avez en réalité besoin de goûter, c'est la force de la jeunesse, n'est-ce pas? Vous avez besoin de moi.
Prince Ferguson, où allez-vous donc avec cet air mystérieux sur votre visage? Ma princesse, si l'on souhaite vous toucher, vous embrasser, est-ce mystérieux? Alors moi je suis partant. Mais je n'ai jamais su que vous étiez intéressée par moi. Absolument pas vrai, ma princesse. J'ai absolument été intéressée à vous depuis le premier jour que je vous ai vue, ma princesse. Excepté le fait que vos sœurs viennent elles-mêmes, s'approchent de moi. Vous savez, oui. Cela n'astreint aucune opportunité de rester ensemble, ma princesse. Ah oui, croyez-moi, je sais que tout le monde vous veut, même mes servantes. Ah oui, oui. Ma princesse, ce n'est que vous pouvez m'avoir. C'est vous l'homme. Oui, j'ai l'intention d'essayer de m'approcher de vous, mais vous êtes toujours... Plus aucun mot, ma princesse. N'ajoutez plus aucune phrase. Depuis que je foule mes pattes dans ce palais, le peu que j'ai vu de vous, vous m'avez intéressé. Gravement. Oui, vous avez un bon comportement, bienveillante, et la plus belle fille, je devais dire. Cependant, vous devez vous battre pour ce dont vous avez besoin. Montrez-moi que vous me désirez, ma princesse, et mon cœur sera vôtre. Bonne journée, ma princesse. Oh, je pense qu'il me faut un peu de temps pour prendre une décision. Oh, les voilà. Sa Majesté. Oui. Vous m'avez appelé. Oh oui, je t'ai appelé. Ton père vient encore de m'appeler. Cette fois-ci, il s'est beaucoup inquiété qu'il n'a pas tes nouvelles. Il a vraiment insisté, il doit te parler. Je pense que le téléphone est là. Tu peux lui parler. Bien, Votre Majesté. J'évite d'écouter la voix de mon père. Car il se plaint trop. Et je pense qu'il est grand temps que mon père réalise que j'ai finalement grandi. Je pense qu'il est juste... Bien. Le problème est que... Je lui avais fait une promesse, je lui avais dit que je vais te convaincre pour parler avec lui. Alors mon fils, j'espère que tout va bien. S'il te plaît, parle à ton père. Oui, Votre Majesté, je comprends bien cela, mais je... Je sais pourquoi je ne vais pas écouter la voix de mon père. Une fois que j'aurai discuté avec mon père, mon séjour ici sera interrompu. Ah, c'est pas du tout un problème. Ok? En fait, ça c'est mon problème. Hein? Je vais lui dire que tu te sens bien ici et tu n'as pas envie de quitter si tôt. Sans vous désobéir, Votre Majesté, je ne saurais pas exécuter ce que vous dites. Très bien. Je ne vais pas te forcer de faire ce que tu ne veux pas faire. Très bien. Merci, Votre Majesté. Prince Ferguson. Pourquoi pas laisser le capitaine de tes gardes parler avec ton père? Peut-être qu'il pourra convenir. Oui, Yoko. Je personnellement instruis mes gardes de ne pas parler à mon père. Pour des raisons similaires, je pense qu'il est grand temps pour que mon père réalise que je n'ai plus un petit garçon. J'ai grandi. Je veux qu'il me prenne pour un grand garçon. Et en outre, il est évident que je ne suis pas perdu. Il m'envoie ici. Je suis en présence du plus grand roi le plus respectueux de ce royaume. Ça c'est vrai, tu sais. Je veux dire, il veut toujours que ses enfants dépendent de lui tout le temps. Sur ce point-là, je suis d'accord avec toi. Vraiment d'accord. Merci beaucoup, Votre Majesté. Je t'en prie, tu peux partir, hein. Sens-toi à l'aise. Merci, Votre Majesté. De rien. «
Son comportement est vraiment étrange, tu trouves pas? Votre Majesté, si vous n'avez pas insisté qu'il reste, j'aurais dû les chasser immédiatement. Or, on doit profondément mener des investigations. Ses raisons de refuser n'est pas discuter avec son père ne m'arrange pas du tout. Je suis d'accord avec toi. Mais il était venu ici, c'est son père qui l'avait refusé. Exact, Majesté. Tu ne trouves pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas? De toutes les façons, observons-les encore. Bien veillez sur lui, Sa Majesté. Ori? Votre Altesse? Où se trouve ta princesse? Elle vient de se rendre par là. Écoute, rends-moi service, s'il te plaît. Dis à la princesse Perle de me rejoindre dans ma chambre immédiatement, ok? Oui, votre Altesse. Vas-y, rapidement. Votre Altesse. Ta princesse est là? Oui, Votre Altesse. Qui est-ce? Le prince Ferguson, ma princesse. Quoi? Oh mon Dieu! Oh non! Oh, c'est pas vrai! Salut! Salut! Ouais, tu t'es occupée? Non, pas du tout, j'étais juste en train de... Ah, c'est pas grave. Vous voulez entrer? Allez, je ne mords pas. J'aurais bien voulu, ma princesse, mais je suis légèrement occupée chez moi. Tu peux me rejoindre dans ma chambre, comme ça on va bien discuter et on va bien s'amuser de l'autre côté au lieu de rester ici pendant longtemps. Je viendrai. Oui. Donc tu arrives. Oui, bien sûr, bien sûr. Okay. Entrez. Fais-moi la mort, prince Ferguson. Dis-moi que tu as besoin de moi. Exactement, chérie. Mais est-ce qu'on... Arrête, mais qu'est-ce qui se passe? Perle? Qu'est-ce qui se passe ici? Que fais-tu ici? Et à ton avis, c'est quoi? S'il vous plaît, excusez-moi, c'est de ma faute. C'est de ma faute. Non, prince Ferguson. Ça, ce n'est pas votre faute. Ma sœur ici agit de manière totalement inacceptable depuis que vous êtes arrivée ici. Oh, vraiment? Ah oui, vraiment. Regarde-toi. Quoi? Tu te forces à sortir avec un homme qui ne veut pas du tout de toi? Vraiment? N'est-ce pas le désespoir, ma chère sœur? Si tu oses me parler encore sur ce ton, je vais finir avec toi. J'attends pour voir. Non, pas comme ça, pas ici. Non, pas comme ça. C'est pas correct. Folle honteuse. Stupide idiote. Folle désespérée. Moi? C'est ce que tu es. Il ne va jamais t'épouser. Oh. Il veut juste baiser avec toi et rien d'autre. Pardon, je vous en prie. Mais qu'est-ce que c'est? Ça, c'est pas juste. Vous m'avez déçu, vous deux. Absolument déçu. Je suis même pas content de vous. Pour qui voulez-vous que je vous prenne? Que diront le roi et la reine? Le servant? Ou tous les autres domestiques? Que voulez-vous qu'ils disent de vous? Écoutez, prince Ferguson, je suis vraiment très blessée. Princesse Harriet. Princesse Perle, pourriez-vous me regarder? Je ne veux plus voir ça. Ok, je réitère, je ne veux plus voir ça. C'est pas correct. Et j'ai un conseil pour vous deux. Écoutez-moi très bien. Gardons ceci comme un secret pour nous trois. Juste entre nous trois. Restons discrets. Compris? Dites-le de s'éloigner de mon chemin. C'est rien que de cette façon-là qu'on se rend en paix.
Voilà. Ça va aller, je t'aime. Ok. Ne pleure pas. C'est juste ta petite sœur. Non. C'est fini. Ce n'est juste qu'une fille qui essaye de me... qui essaye de me voler l'amour de ma fille. Non, non. Non, personne ne va m'amener loin de toi. Comment? Tu ne dois non plus le permettre. Veux-tu le faire? Non. Non. Tu ne vas pas le faire. Non. Tout sera mieux. Ça va aller. Ah ah. Perle? Qu'est-ce qu'il y a? C'est ta sœur. Elle quoi? Hein, Perle? Elle quoi? Mais qu'est-ce qui se passe ici? Perle? Rien du tout. Qu'est-ce qu'il y a? Me tenir debout ici pendant longtemps, en te contemplant, me donner envie de coucher avec toi tout ce week-end. Mais nous sommes dans le couloir, c'est-à-dire impropre. Mais on devait juste nous retirer, tu comprends? Parler. Je vais même te poser quelques questions au sujet du roi, n'est-ce pas? Avant que je prenne la décision avec qui je veux me marier. Je comprends, votre majesté. Alechi. Alechi. S'il te plaît, j'ai besoin d'un verre de brandy. Brandy? Oui, tu n'as pas besoin de brandy. Ok, j'y vais, je t'attends. Votre majesté. Oui. S'il vous plaît, je ne veux pas avoir l'air d'une commère. Mais ouais. Pourquoi il y a ce bruit qui court comme quoi vous ne voulez pas parler à votre père? Oh, ça! C'est rien! C'est juste une façon de m'échapper et de faire mon business. Des raisons personnelles. Tu comprends ce que je dis? Il n'y a rien à s'inquiéter là-dessus, ok? Le roi va envoyer demain ses hommes dans votre royaume pour en savoir plus sur vous. Votre Majesté, je dirai exactement à la reine ce que vous venez de me dire. Ok. Ok, merci, hein. Je serai en train d'attendre. Merci. Distraction. Il me faut une distraction. Entrez. Pardonne-moi. Je sais que je n'ai pas fait une bonne impression devant toi. C'est fini. Approche. C'est fini. T'as joué au bon jeu. Tu t'es défendu toi-même. Ce qui devait être fait, Ariette n'a aucun droit de te ravir ce dont tu as besoin. Ils font tout ceci. Peut-être parce que je suis si jeune. Tout ce que je veux, c'est quitter ce palais sans paix. Plus je suis fatiguée. Tout ira mieux. Ça va aller. Crois-moi, ça ira. Avant de terminer avec ma vacance ici, je dirai à ton père, le roi, que c'est toi que je veux. Vraiment? Oui. Tu vas m'épouser?
Je vais t'épouser. Oh mon Dieu. Je vais t'épouser. Alors écoute. Écoute-moi bien. Personne ne doit te rouler dessus. Qui qu'il soit. Tu m'as conquis. Je dis personne. J'ai entendu Ariette dire que elle va te tuer. Moi? Elle plaisante. Parce qu'elle ne sait pas que je pense de la même façon qu'elle. Elle fera tout pour sortir avec toi, mais tu ne dois pas la laisser faire. Alors écoute ce que tu vas faire. Je veux que tu puisses l'affronter. Ok, affronte-la. Bats-toi, attaque en premier. Toujours. Embarrasse-la. Comme ça, elle ne viendra plus vers moi. Tu le feras à ma place. Si ce n'était pas pour mon père. Perle, ton papa m'a toujours prêté oreille. Il a confiance en ce que je lui dis. Je pars maintenant la voir là où elle est assise avec Gina. Non. Erreur. Ce n'est pas le moment propice pendant que Gina est là. Elle risque d'intervenir. Demain, mon amour. Je sais comment la distraire. Voilà les mots qui conviennent. Le plus parfait. Distraction. Algie. Algie. Ma princesse. S'il te plaît, pas pour notre verre de brandy, maille toi. Oui, ma princesse. Reviens ici. Reviens ici. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi, Ariette? Rien du tout. Regarde tes yeux. Tu commences déjà à être saoule. Mais bien sûr, n'est-ce pas que je t'ai dit que je voulais me saouler? Est-ce que je n'ai pas dit que je voulais me saouler aujourd'hui? Je ne l'ai pas fait, t'es sûr? Ariette. Ah, mais Ariette est ici. Je ne reconnais pas ma petite sœur. Et qu'est-ce que papa dira? Je me fiche de ce que papa dira. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Gina. Papa te veut. Où est-il? Dans sa chambre. Maintenant, écoute-moi, petite sœur. Si tu prends encore un autre verre d'alcool comme tu viens de le faire, que ce soit du brandy ou je ne sais pas quoi, je le dirai à papa et je le pense. Tente-moi. Mais c'est bien. Aluchi, mêle-toi. Apporte-moi un verre de brandy, mêle-toi. Mais bordel, tu vas te mêler de me rapporter ce verre! Perle, tu es vraiment stupide. À vrai dire, Perle, tu es extrêmement stupide. Et que Dieu m'aide! Mais si tu ne quittes pas cet endroit sur le champ, je te jure que je vais te faire quelque chose de très moche. Alors dégage maintenant! Regarde, ce qu'on doit faire, c'est juste de se concentrer. On ne doit pas passer notre temps à regarder ces filles-là. Si tu veux, est-ce que tu fais attention à ce que je te dis? Oui. Vas-y. Tu n'es pas concentré, ça se voit. Et après, je vois. Ah, ok. Ça, c'est bien. Je rêve. Quelqu'un vient juste de tomber là. Et mon frère, n'écris pas. Hein? C'était qui? Je sais ce qui se passe ici. Quelqu'un vient juste de tomber là, tu l'as pas vu? C'était quoi? On doit quitter ici maintenant. Allez, mon Dieu. C'est qui? Oh, non. Non. Oui, c'est bien. À
Avec quel droit te permets-tu d'entrer dans ma chambre comme ça? Je suis désolée, votre majesté, mais il y a quelque chose de vraiment terrible qui vient de se passer. Qu'est-ce qui s'est passé? Perle est morte. Ariane vient juste de la pousser du haut du balcon et elle est morte. Oh mon Dieu! Ah, ma fille! Mon Dieu! Qui m'a fait ça? Oh mon Dieu! Non! Attendez! On est là! On faut qu'on l'emmène à l'hôpital! On est à l'hôpital! Appelez l'ambulance! Ah oui, non. Ma fille! Ma fille! Père est en vie. Père est en vie. Oh, j'ai tué Père. Qu'est-ce qui m'a fait? J'ai tué Père. Mais à quoi est-ce que j'ai pensé? Oh, j'ai tué Père. Maman, j'ai tué Père. J'ai tué Père. Non, je n'ai pas tué Père. Œil pour œil. Adam. Adam, tu dois te faire voir maintenant. Trop bien. Votre Majesté. Votre Majesté. Votre Majesté. Quelle terrible nouvelle que je venais d'apprendre. Je suis foutu. Mon palais vient d'être détruit. On vient de me prendre ma princesse. Non. Oh mon Dieu. Non. Majesté, comment cela est arrivé? Je ne comprends pas. Elle s'était battue avec sa sœur. Oh mon Dieu! Et... Oh Dieu! Qu'est-ce qui est en train de m'arriver? Qu'est-ce qui est en train de m'arriver? Oh mon Dieu! Garde, trouvez Daniel. Dites à Daniel de m'amener Ariette. Allez me chercher Ariette, dépêchez-vous et amenez-la ici. J'ai besoin d'Ariette ici maintenant. Vite! Oui, Sa Majesté. Votre Majesté. Votre Majesté. Si vous estimez que vous aurez besoin de mon soutien, de grâce, dites-le-moi. Princesse Ariette.
Qu'il y a un démon qui habite ce palais. Ta descendance baignera dans la honte et l'humiliation. Tu verseras de larmes quand ton temps viendra. Tu verras la mort et perdras toutes tes chairs. On a tué beaucoup de personnes. Ces gens-là sont des retours pour prendre ma famille. Non, ne faites pas attention à ça. Ma fille vient juste de se suicider. Homo, je suis foutu. Qu'est-ce que je peux encore faire de ma vie? Ma vie, je suis foutu. Ah, je suis foutu. Non, votre majesté. La première était partie. Ouais, c'est pas grave. Votre majesté. Oh bon. Tu me fais rire. Qu'est-ce que c'est? Garde. 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 Oh bon. Oh bon. Ma vie a pris fin. Ma vie vient de prendre fin aujourd'hui. Garde. Garde. Un, deux. Garde. Tout est parti. Garde. Tout est parti. La première est partie. Et maintenant, ça se qu'est-ce qui m'arrive, Seigneur? Votre Majesté, comment cela est arrivé? Oui, laissez-moi vous présenter Prince Ferguson. C'est notre invité d'honneur dans le palais. Le fils de mon ami Roi Philippe. Je pense que vous le connaissez très bien. C'est son fils. Prince Ferguson? Ça, c'est pas Prince Ferguson. Je l'ai déjà rencontré. Ouais, au fait, ça me dépasse aussi. Je ne reconnais pas vous avoir vu avant. Je l'avais rencontré dans le palais de son père. C'était pour les affaires. Je ne peux jamais l'oublier. Il ressemble vraiment beaucoup à son père. Je pense que c'est mon frère que vous avez rencontré. Ce doit être le prince Finland. Sûrement celui. Attends un peu. Lequel de vous a étudié à Harvard University? Voilà. C'est où il y a la confusion. Mon frère était parti à Harvard et moi j'étais à Cambridge. Voilà où se trouve la confusion.
Vraiment? C'est une confusion. Oui, bien sûr. Je croyais que c'était Prince Ferguson que j'avais rencontré. Non. Je suis sûr que c'était seulement une confusion. Non, Votre Majesté doit être mon frère. En fait, c'est lui qui s'occupe des affaires de mon frère pendant que j'étais à l'université. Alors je suis revenu, j'ai toutes les affaires en main. Je pense que c'est vrai. Alors, Majesté, je suis désolé à propos de ça. Merci, Votre Majesté. Tu sais, quand j'avais commencé à m'être au monde, j'avais prié. J'avais prié, gêné, pour que Dieu me bénisse. Qu'il me bénisse en me donnant un fils. Parce que c'était ça le souhait et le désir du roi. Mais cela ne s'est jamais réalisé. Et mire, ça ne s'est jamais réalisé. Pourquoi il a pris mes deux filles? Ma seule joie et ma vraie consolation. Pourquoi? Pourquoi mon Majesté, vous êtes en train de vous faire du mal. Je le sais. Nous devons remercier Dieu pour tout. Remercions-le pour la vie. Au moins, vous avez encore Jean. Eh bien, je le sais. Je le sais. Et cela ne veut pas être encore, je ne suis pas reconnaissante. C'est juste que le chagrin que je reste le plus fort. Les circonstances sont vraiment bizarres. Mais pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi mes deux filles? Pourquoi? Mes deux princesses et mères, mes deux filles. J'évite à tout prix d'être distrait. La guerre est à ma faveur. Je n'ai plus qu'une seule option. Je dois absolument atteindre mon objectif. Votre Majesté, avant de connaître tous ces accidents cumulés, j'avais supposé que nous puissions investiguer sur Ferguson. Trop bien. Oh bon. Votre Majesté, je suis touché. Je suis endeuillé et mon cœur est en train de saigner. Pourquoi, Ferguson? Pourquoi, Ferguson? Votre Majesté, nous avons été ensemble toutes ces années. Si vous avez de la peine, je la ressens aussi. Quand vous êtes troublé, mon cœur n'est pas en paix. Quand vous avez besoin de moi, vous ne m'appelez pas. Je les ressens et je viens, je me présente devant vous. Puisqu'il y a connexion et une sorte de télépathie. Et cette connexion, Votre Majesté, ne doit pas s'être brisée. Est-ce que tu essayes de m'expliquer que Prince Ferguson est à point de le faire? Votre Majesté, plus de 30 ans on est ensemble, Votre Majesté. On a beaucoup joué des sales jeux. Et on a beaucoup gagné dans tout ça. Pourquoi? Parce que vous avez appris la patience. Et la sagesse. Trop bien, Votre Majesté. Est-ce que tu essaies de m'expliquer que mon désir de faire les affaires avec le petit Ferguson est une erreur? Donc je ne suis pas sage. Loin de là, Votre Majesté. Loin de là. Qui suis-je? Qui suis-je pour redouter de votre sagesse? J'ai été avec vous. Je vous connais, Votre Majesté. Si vous avez toujours situé le côté le plus prospère dans votre business, c'est pas un hasard. Car vous avez toujours besoin de vous rendre toujours plus fort et d'être victorieux dans ces jeux. Très bien parlé, mon cher ami. À vous, tout honneur, Votre Majesté. Alors qu'on les fasse sortir,
mais pas aujourd'hui. Parce qu'il va être utile pour nous au moment de signer le contrat avec son père. Patiente. Un peu de patience, s'il te plaît. Ça ira. Très bien, votre majesté. Très bien. Hey, hey, no more evil in the land. Say hey, hey, we shall come together now. Say hey, hey, we shall save the royal crown. Say hey, je ne suis pas l'ennemi. L'ennemi est l'extérieur. Oh. Tu m'as fait peur. Dans ce cas, tu es une mauviette, parce que seuls les mauviettes ont peur. Qu'est-ce que tu veux? Quoi? Je ne suis plus la bienvenue? J'avais oublié. Sois la bienvenue. Assieds-toi. Azuka, ton comportement est devenu très étrange ces derniers jours. Ce dont je redoute dans la vie, c'est ce que je vois en toi. La peur et la frustration. C'est ce que tu es en train de m'inspirer en ce moment-ci. La peur? Oui. Qui fait peur à qui? Ta vie ainsi que celle du prince Ferguson sont en danger. Et c'est très sérieux cette fois. Obo est convaincu que Harriet a tué père, qu'elle a pris la vie de sa propre sœur à cause du prince. À l'instant où on parle, Obo complote pour t'éliminer, ainsi que le prince. Mais éliminer moi? Et le prince? Est-ce que le roi a fait aussi partie de ses problèmes? Non, mon amour. Le roi ne veut pas s'en prendre au prince, du moins pour l'instant. Mais Obo est en colère. Il veut utiliser Oki pour convaincre le roi. Alors, que vois-tu que je peux faire? Quitter le palais cette fois. Convainc le prince. Utilisez n'importe quelle excuse que vous voudrez. Vous devez vous en aller pour votre sécurité. Mais ça sera sans moi. Azuka. Azuka. J'apprécie tout ce que tu fais pour moi. Merci beaucoup. Je t'en prie. Merci. Je pars voir le prince sur les champs. Viens. Viens. Approche. J'ai aimé le repas que tu m'as servi autrefois. Mais tu n'as pas été là pour que je te dise merci. Bon, je suis venu à ta recherche. Tu viens de voir ton amour. Et tu lui as passé l'information que je t'avais donnée. Ok, pourquoi tu parles comme ça? Et pourquoi dois-tu courir ici dans le couloir pendant que tu as constamment répété que tu n'as rien à voir avec ces garçons? Ok, pitié, je t'en supplie. Ça ne se reproduira plus jamais. C'était une erreur. Pitié. Que je te croie. Est-ce que toi tu crois en moi? Tais-toi! Imagine-tu ce qui va m'arriver? Même à toi! Et si cette vérité est découverte? Mais je reconnais que c'était mon erreur. Je suis désolée. S'il te plaît, donne-moi ta main. Je t'aime. N'ai-je pas prouvé cela plusieurs fois?
Pourquoi Asuka? Pourquoi me trahis-tu juste à cause de l'amour que j'ai pour toi? Pourquoi Asuka? Pourquoi ne veux-tu pas aussi me faire confiance comme moi je l'ai fait? Ok, je ne t'ai jamais vu aussi en colère avant. Et même si je t'ai pris pour acquis, ça ne se reproduira plus. Je suis sincèrement désolée. C'est fini, ma chérie. Approche, viens. Viens, mon amour. Tu sais, que vas-tu faire? Quelle sera ton attitude devant un problème qui va nous nuire tout notre amour? Dis-le-moi. Dis-le, copain. Oui, très bien. Couper l'amour, c'est ce que je dois faire. C'est vraiment l'amour. Ok, je suis toi. Est-ce fait? Oui. Tu as bien fait. Merci. Il y a encore une autre personne qui se permet d'empêcher le progrès dans ce palais. Ça pourrait être le parent ou bien parmi les enfants. Comment va le roi? Le roi? Le roi s'est rendu malade. Il se sent perdant. Le roi est perdant. Voilà, nous sommes ici à cause de ça. Ok. Si tu ne sais pas contrôler ce que tu as, sois bien sûr que cela va te consumer. Alors, c'est notre devoir de protéger le roi. Exactement. On va couler le sang. C'est pourquoi les sacrifices sont très importants. T'es sûr parmi tes gardes, il n'y a pas d'ennemis? Absolument. Personne. Mais son corps a été très bien gardé. Et personne ne sera au courant de ça. Ah, si. Très bien. Très bien, jeune homme. Alors, occupez-vous de ça. Je dois me rassurer que ce corps ne se retrouve plus dans ce palais. Votre Majesté, la disparition de Zuga dans ce palais ne peut signifier que deux choses. Ou peut-être aller au courant de ce qui a causé la bagarre entre la princesse Ariette et Perle, ou elle est une cause directe de leur mort. Ça, c'est étonnant. Je veux dire, Asuka a pratiquement grandi ici. Je l'ai connue depuis que j'étais une enfant. Cela ne veut pas dire nécessairement qu'elle n'est pas coupable. Alors, comment expliquerons-nous la cause de sa disparition? Ah oui, Sa Majesté, je pense peut-être si Asuka, ces jours-là, a été envoyée dans ce même palais. Soudainement, elle a disparu. Sans aucune preuve qu'Asuka a commis un crime, je pense qu'on devrait carrément mener des investigations. Je ne sais pas si quelqu'un a rencontré ses parents, ou peut-être elle a bien d'autres amis qui n'habitent pas ce palais et qui pourront aussi être contactés. Mais est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui l'a vu sortir de ce palais? Je veux dire,
Est-ce qu'elle est partie rendre visite à quelqu'un? Ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu la chercher? Si vous me demandiez mon avis, Elia Anguille se roche. Oui, tout justement, c'est où il y a le point. En tant qu'en tête de la sécurité, ça me concerne. Ça me touche à fond. Ne serait-ce pas ignorant qu'Azuka a un caractère très douteux. Elle s'est exposée elle-même devant les invités de ce palais. Dans ces cas, ça veut dire que quelqu'un a essayé de l'utiliser. C'est exactement ce dont je parle. Mais qui a plus de l'information? C'est elle, la fille qui est partie. Elle en sait quelque chose. Ouais, bien, ça c'est très intéressant. Oppo, vous avez tout à fait mis en évidence le caractère d'Azuka. Oui. Et vous avez tantôt confirmé que vous êtes la tête et la sécurité. Oui, bien sûr. Mais comment est-ce que jusqu'à ce jour, vous n'avez jamais soulevé ce point-là? Bien, j'étais juste en train de... Réponds à M. Ferguson. Oppo. Votre Majesté. C'est la première fois que tu puisses me décevoir. Tu as remarqué quelqu'un avec un comportement bizarre. C'était un risque de sécurité, mais tu l'autorises de sortir dans ce palais. Hey! Je t'oblige d'aller la chercher, la trouver et la ramener ici. Et si elle s'est mise en contact avec n'importe quel de mes ennemis, je peux te rassurer. Je vais la tuer d'une manière horrible. Et n'importe qui est en contact avec cette fille sera éliminé. J'espère que j'ai été assez clair. Sors d'ici maintenant. Je les sors ici maintenant. Votre Majesté. Merci beaucoup, Monsieur Ferguson. Je vous en prie, Votre Majesté. Tu vois, c'est la raison pour laquelle j'ai besoin des hommes comme vous autour de moi. Et je suis vraiment impatient de te voir épouser ma fille Gina. Merci, Votre Majesté. Merci. Tu as dit qu'elle est venue te voir cet après-midi? Oui. Et personne ne l'a vue depuis le matin? Oui. Et alors les autres boys? Adam, lorsqu'elle a quitté l'appartement de Steve, j'avais remarqué un petit mouvement bizarre dans le palais. Je savais que c'était juste rien. On avait essayé un peu de s'informer auprès des gardes, mais on n'avait pas eu assez d'informations. Je pense qu'il n'y a rien là-bas. Mais néanmoins, vous avez vu Oboyehu qui est en train de discuter. Oui, je les avais vus. Ok, était un peu inquiet. Et juste après ça, il y avait quelques voitures qui étaient sorties. Et lorsque les voitures étaient de retour, j'avais essayé un peu de m'informer auprès des gardes, mais tout ce que me disait, c'était seulement que Obo les avait envoyés, c'est tout. Qu'est-ce qu'il y a? Ceci veut dire une ou deux choses à la fois. Soit il y a quelqu'un qui l'a vu quand elle est entrée, et l'autre l'a vu pendant qu'elle sortait. Les marteaux et l'enclou. C'est soit on attaque maintenant, ou nous risquons perdre notre bataille. Exactement ce que je voulais qu'on fasse.
Steven, tu sais quoi faire avec nous. Votre Majesté, permettez-moi de demander, et je pense que ça ne va pas vous déranger. Je réalise que vous vous répétez le même repas plusieurs fois. C'est depuis tant que je remarquais cela. Je suis diabétique. Mais je vois rien de mal. J'aime aussi beaucoup les légumes. C'est très nutritif, tu sais. En fait, papa. Oui, ma chérie. Je crois que j'ai quelque chose aussi à dire. Ta nourriture n'a pas de goût. Pas de sel. Rien du tout. C'est juste ça. Juste en te regardant, tu es sucré. Sucré. Majesté, avez-vous pris les médicaments ce matin? Oui, bien sûr. Alors, la reine, où est, qu'est-ce que... Votre Majesté, je pense que nous devons aller voir le médecin tout à l'heure. Je serai bien. Alors, j'avais fait. Oui. Votre Majesté. Vite, je vous en supplie, sauvez mon mari. Faites vite, sauvez mon mari. Qu'est-ce qui arrive à mon parfait monde? Quoi? Mère, ne commence pas maintenant. Père a besoin de toi plus que jamais. Si tu t'écroules, qu'adviendra-t-il? Tout va mal. Tout va mal. Premièrement, c'était tes soeurs. Après, Judith. Et Azuka. Tu n'arrives pas à voir les mauvais sorts qu'on a jetés à notre famille. Quel sort? Mère, il n'y a aucun sort. S'il te plaît, arrête de parler de la sorte. Ce n'est pas qu'une simple coïncidence. Tu n'arrives pas à voir cela, ma fille. Je crois que c'est mauvais sort qu'on a jeté à notre famille. Il n'y a pas de mauvais sort jeté sur ta famille. Maman, s'il te plaît, reprends-toi. C'est une malédiction. Votre Majesté. Qu'est-ce que vous avez l'intention de faire? Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous étiez en train de faire pour que Dieu me punisse pour un crime que je n'ai pas commis? Calmez-vous, apaisez-vous. Mère, s'il te plaît, arrête de parler de la sorte. Mais tu sais que papa a une santé fragile. Faut pas croire en ce que les gens disent sur lui. Mère, s'il te plaît, arrête avec ça. On n'en a vraiment pas besoin en ce moment. Oh. De grâce, votre majesté. Docteur. Comment va mon mari? Votre majesté, les rois est dans les communs. Cela veut dire qu'il ne peut pas parler maintenant. Docteur, qu'est-ce que tu essaies de raconter? Et dans les communs. Hey! Je le disais! Je vous en prie, calmez-vous. Mais maman, est-ce que tu as l'intention de mettre fin à tes jours ou quoi? Oui,
Ok, docteur, est-ce que nous avons le droit d'aller le voir? Ah oui, bien sûr, mais votre majesté, vous devez vraiment vous calmer. Ok. Le patient a besoin d'amour et non vos larmes. Je pense que ça peut l'aider à retrouver la vie. Oui, oui, docteur. Mère, est-ce que tu vas te ressaisir ou tu veux que je te laisse ici? Veux-tu venir avec moi? Je veux venir avec toi. S'il vous plaît. Je veux venir avec toi. Je veux venir. Il peut nous attendre. Il peut attendre ma voix. Possible. Père. Je n'aurais jamais cru qu'un jour tu pourrais te retrouver comme ça. Tu as toujours été aussi fort qu'un buffle. Je t'en prie, réveille-toi pour que je puisse te déranger avec mes questions. Je t'aime vraiment beaucoup, papa. J'ai besoin de toi à mes côtés, lors du grand mariage entre le prince Ferguson et moi. Votre Majesté, je sais, nous avons du business particulier à clore. Et je vous promets, je ne quitterai pas le palais avant que vous soyez déchargé. Docteur Titus, je peux vous voir à l'extérieur pour quelques minutes? Bien sûr. Excusez-moi. Oh bon? Je veux que toi et Béré puissiez partir. Les docteurs ont dit que tu iras bien. Il a dit que tu reprendras connaissance très bientôt. Docteur, oui. S'il vous plaît, dites-moi la vérité. Quelles sont les chances de survie qui restent à mon père? Parce que il est vraiment dans un très mauvais état. Ma princesse, pour être honnête avec toi, il n'y va plus sur état. Ce qui veut dire? C'est l'un des cas très compliqués. Même si on est transféré à l'étranger, il n'a pas assez de chances pour survivre. C'est vraiment quelque chose de fort qui a attaqué tout son corps. Il est complètement déchiré à l'intérieur. Je suis désolé de vous dire. Il pourrait rester un légume toute sa vie. Jusqu'à quand est-ce que ça va durer? C'est pitoyable. Non. Donc vous serez guéri, ne pourrez être... Non. Quelle horreur! Quelle horreur! Ce que j'essaye de dire est... La seule chose qui peut l'aider, c'est un miracle. Un miracle? Il est devenu incapable. Il ne pourra rien faire. Car le roi ne va plus se rétablir.
Adam, ça va vraiment prendre du temps. Tu penses qu'on doit attendre pour tout ça? Non, on n'a plus intérêt à attendre aussi longtemps. Puisque j'ai infligé assez de peine à ses majestés. Et vous qui êtes en train de travailler avec moi, nous devons le voir souffrir. C'est un homme très dangereux qui peut faire n'importe quoi à n'importe quel moment. Je ne peux pas arrêter de contrôler mes arrières jusqu'à ce que je serai assuré qu'il est vraiment mort. Steve, je sais ce que tu ressens, mais nous devons également être prudents. Oppo ne peut faire que ce qui lui a été dicté, bien qu'il soit plus sage. Tout ce dont j'ai besoin, c'est la destruction. On l'a détruit. Et il ne sait plus se tenir sur ses deux pieds. Toute sa force voit l'échec. Alors, qu'est-ce qui arrive à la reine Aegina maintenant? Rien pour l'instant. Nous attendons au bout d'un mois. Jusqu'à ce que l'on constate que rien nous a été suspecté. Aucune trace pour notre part. Ils n'ont pas eu pitié de moi. Je ne l'aurais non plus pour eux. Tu as l'air abattu. C'est quoi le problème? Tu penses que je devrais envoyer mon père à l'étranger? Ça va faire près d'une semaine et sa condition ne s'améliore toujours pas. Personnellement, je ne pense pas. Parce que Dr. Titus était très clair dans son langage quand il dit « Donc il faudra un miracle pour faire parler ton père ou faire un petit mouvement. » Je refuse de croire que mon père va rester un légume. Ouais, c'est peut-être un plan de Dieu. Ce sont des choses qui arrivent dans la vie. Ce que nous devons faire, c'est d'accepter ça comme tel et de chercher peut-être trouver une solution. Ah non, je ne veux même pas penser à ça. Ferguson, est-ce que tu penses qu'il y a une sorte de mauvais sort qui plane sur ma famille? Quelque chose... Un voûtement? Oui. Ma mère est maintenant convaincue que tous ces accidents ne sont plus normaux. Princesse Gina, comment décririez-vous votre père? Plutôt bien. Je veux dire, sans compter mon séjour à l'étranger pour étudier, j'ai toujours été la plus proche de mon père, comme ce fils qu'il n'a jamais eu. Papa a répondu à ma question. Je veux apprendre de vous. Comment pouvez-vous décrire votre père en tout détail? Sans compter ce que les gens disent de lui, je pense que mon père est un homme d'affaires très expérimenté. Et qu'il est un homme qui sait ce qu'il veut et comment l'obtenir sans enfreindre la loi. Et pourquoi tu le demandes? Ouais, je voulais juste connaître. Pourquoi votre mère n'est pas si persuadée que tout ceci, c'est naturel? Ferguson. Penses-tu que ce que les gens font dans leur passé vient après les hanter dans leur futur? Oui, c'est vrai. Absolument, c'est à quoi je pense, voilà. Parce que ma mère a dit que mon père s'était mêlé dans certaines histoires bizarres quand j'étais encore enfant. Et il y a aussi ces histoires des gens qui disparaissent du palais qui me dérangent. Princesse Gina. Oui, ça va. C'est fini.
Tout ira mieux. Ok. Espérons que tout ira mieux. Je suggère que tu parles à ton père. Discute avec lui. Il pourra te dire certains autres secrets. Ok. Ne t'en fais pas beaucoup. Espérons-le, espérons. Votre Majesté. Je suis triste aujourd'hui. À cause de ce que toi et les rois avaient fait. Plus le temps passe, je finis par me convaincre que le rumeur qui courait entre autres que toi et les rois avaient commis des actes atroces était vrai. Votre Majesté, ça, ce sont les accusations des affaires faites par nos concurrents. Ils ne cherchent rien d'autre que d'altérer l'image du roi, Votre Majesté. Vous devez connaître cela. Ai-je l'air dit folle? Votre Majesté. Y a-t-il pas un peu de vérité dans toute cette accusation? J'avais deux filles. Au moins, j'avais deux filles que je viens d'enterrer à peine. Maintenant, les rois veulent le rejoindre. Oh, qu'ils ne permettent pas ça, Votre Majesté. Arrêtez ça. Il n'y a rien de que Dieu ne le permette pas ici. Les rois est maintenant un légume sur les lits de l'hôpital. C'est à moi de décider s'il faudrait qu'on lui débranche. Mon lion ne va plus rugir. C'est assez pour moi. Oh bon, tu ne peux pas voir cela. Votre Majesté. Je suis ici pour vous protéger. Je dois vous protéger. Vous protéger toujours jusqu'à ce que le roi revienne dans ce palais, Votre Majesté. Oh bon, jusqu'à quoi vas-tu attendre pour enterrer mes enfants? Jusqu'à quand? Je suis pénible pour un péché que je ne connais pas et que je n'ai pas commis. Oh bon. Votre Majesté. Oh bon. Oh bon, s'il te plaît. Je t'en supplie au nom de tout ce que tu as le plus cher. Je t'en supplie. Dis-moi. Dis-moi ce que toi et le roi avez fait. Dites-moi par où vous avez posé les pieds pour que j'aille m'excuser. Aide-moi, s'il te plaît. Votre Dis-moi Majesté. La vérité pour que j'aille demander pardon. Votre Majesté. Votre Majesté. S'il te plaît. On a prié. S'il te plaît. On a prié, Votre Majesté. Et beaucoup prié. Je sais vous m'écoutez et vous reconnaissez ma voix. Je vais vous parler. Vous savez que c'est tout le monde qui prie que vous rétablissiez
Ouais. C'est tout le monde qui réclame votre santé, votre majesté. Le king. Le roi. Mais vous ne pouvez pas. Vous ne laisserez pas. Je sais pourquoi. Oh, peut-être, dans votre prochaine incarnation, vous serez rétabli. Mais, si vous irez en enfer, vous y vivrez pour toujours. Je suis la cause qui vous retient ici. Ah! J'ai causé cela. Je l'ai menti. Et c'est moi qui l'ai fait. Vous vous croyez invincible? Vous êtes un grand roi. Voilà ce que vous aviez en tête. Avec une notoriété intouchable. Oh, je vous ai mis à terre. Je brisais toute votre défense. Et je promets que je vais tout détruire et rien ne pourra résister. Oh, mais aussi. Et je suis aussi à la base de l'esprit qui a poussé Harriet de tuer Pearl. En fait, je ne suis pas exactement d'accord qu'elle puisse commettre un suicide. Mais un acte pareil m'a beaucoup réjoui. Mais je ne suis pas fier de ça, vous savez pourquoi? Elle a choisi un moyen plus facile. J'aurais souhaité la voir en train de souffrir. Comme je pourrais bien saisir sa vie longtemps sous mon empire. Yeah. C'est ce que je devrais faire. Votre majesté. Faites 5 heures. Je suis persuadé que vous pouvez m'écouter. C'est ce que le docteur nous a confirmé. Donc vous ne pouvez que nous écouter. Regardez. Je connais bien votre souhait. Ce serait de vous lever et de vous venger contre moi. Mais vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas, votre majesté. Vous êtes légume. Et vous resterez comme ça. N'est-ce pas ça? Votre belle femme et votre unique fille encore en vie ne sont pas non plus épargnées. Je veux me rassurer de les faire souffrir jusqu'à ce qu'elles mourront. Je suis capable de le faire. Car je suis le juge maintenant. Vous ne m'avez jamais détecté, n'est-ce pas? Sûrement, vous vous demandez. Qui est ce garçon? Or, tout ce que je cherche, je ne voulais plus rien d'autre de vous, votre majesté. Tout ce que je voulais, c'est de vous détruire. Et détruire tout ce que vous appartient. De la même façon que vous avez détruit la vie des autres. La vengeance, n'est-ce pas? Juste. Je ne faisais que l'observer. Honnêtement, le roi est un combattant. Comme j'avais dit,
nous nous traitons, mais celle Dieu sauve. Docteur Titus, je souhaite pour que vous puissiez toujours lui donner le meilleur traitement qui soit. Procurez-vous tout ce qu'il faudra, ou même faites appel à des spécialistes pour mon père. N'hésitez pas de me le dire, peu importe le prix ou la distance, nous nous y embarquerons. Ma princesse, ça va être une énorme joie pour moi que les rois survivent. J'aimerais que tu saches que nous faisons de tout notre possible pour que tu reviennes sur pied. Le prince Ferguson et moi sommes impatients que tu sois présent le jour de notre mariage et que tu berces tes petits-enfants. Oui, votre majesté. C'est notre souhait. Ok. Il est temps que vous les laissez tranquilles. Votre majesté. Je reviendrai encore demain. Continuer l'histoire que j'avais commencée. La belle histoire. Dans l'entretemps, restez bien, votre majesté. Je t'aime, papa. Votre majesté, ça c'est la deuxième fois que vous vomissiez. Et je vous trouve si pâle. Vous ne trouvez pas qu'on doit aller voir le docteur Titus? Je veux bien. C'est juste... peut-être c'est dû au stress que je sais dernier temps. Peut-être. Et le docteur peut vous procurer de quoi vous détendre. Majesté. Finalement, j'ai l'impression que je suis enceinte. Ah, votre majesté, malgré tout ce qui s'est passé, vous avez gardé votre bon sens de l'humour. Tu vas bien? Je me sens pas très bien. J'ai comme le vertige. Ah oui, peut-être parce que tu n'as rien pris après ton déjeuner, c'est ce qui cause de... Hein? Qu'est-ce que tu es après ça? Qu'est-ce qui va pas, ma princesse? J'ai envie de vomir. La vengeance, n'est-ce pas? Et penses-tu d'avoir le docteur? Non, j'en ai pas besoin. Il a entendu Ebere dire qu'elle aussi on pourrait les perdre. Qu'elles sont très fébriles et qu'elles n'arrêtent pas de vomir. Il y a des chances que les deux soient empoisonnées. Quoi? Par qui? C'est à moi que tu poses cette question. Je n'en sais rien, je rapporte ce que j'ai entendu. Les filles, s'il vous plaît, changeons de conversation, de grâce. Je ne veux plus rien savoir et je ne veux pas qu'une autre personne disparaisse de ce palais, en particulier moi. Écoutez, cette palais devient très dangereux. Quant à moi, Keo, je vais rassembler mes bagages et m'en aller où? Et Keo, c'est dangereux de parler comme ça. Les murs ont des oreilles. Ça, c'est vrai. Tout est parti comme ça pour Judith et Azuka. Et tous ceux avant elle. Jamais de la vie. Pas moi.
Encore suis de retour, mon roi. Vous tourmentez mentalement. C'est bien. Voilà ce que je suis ma présence, pour l'instant. Ah, c'est vrai, vous vous souvenez de moi. Pourquoi j'ai ces sentiments? Qui vous pensiez je suis là pour vous combattre? Je ne le ferai pas. Cela serait un chemin plus facile que j'ai choisi. Ça sera une voie très facile à s'acquitter. Vous laissez n'est pas sur le roc. Mon grand roi. Je voudrais plutôt vous voir supplier à la vie. Vous voir souffrir. Mourir lentement. En effet, l'une des raisons qui me fait venir aujourd'hui à l'hôpital est de partager une bonne nouvelle avec vous. Et aussi une mauvaise. D'abord la mauvaise. Votre reine et votre fille, Gina, toutes deux malades. C'est pourquoi elles sont ici. Mais vous savez quoi, je connais déjà les résultats. Peu importe ce que le docteur leur dira, car c'est moi qui l'ai planifié. Je l'ai fait par cœur. Parce que j'ai le pouvoir, j'en détiens le contrôle. Rien à faire pour sauver ce cas. Votre femme... La reine, la plus belle de toutes les femmes, attend famille. Dès l'un de mes gardes, je n'ai rien compris. Et elle a dit sa confession, votre majesté. Elle vous en a parlé? Comment elle peut faire une chose que vous n'avez jamais connue? Oh, quelle beauté! C'est pitoyable. Oh, votre fille, je l'apporte mon bébé. Votre précieuse fille. Vous pouvez imaginer ce que je fais avec elle sur le lit. Vous n'en avez aucune idée. Je meurs d'envie de vous tourmenter. Vous n'allez pas y croire. De toute façon, revenons à l'histoire que je vous relatais le jour passé. La belle histoire que j'avais commencée dans la fin sera aujourd'hui. Rappelez-vous de votre vieil ami. Un grand chief avec votre jalousie, vous avez voulu ravir tout ce qu'il avait jusqu'à lui ôter la vie. Vous l'avez tué dans sa propre ferme. Regarde mon fils, tu vois là-bas. Là-bas aussi. De l'autre côté, là-bas. Là-bas. Même ici. Partout. Partout ici. Ici. Tu comprends? Je dis ici, ici, tout ça, ici, même de l'autre côté là-bas. Nous appartient. Fuis avec mon fils. Partez. Fuyez. Amène mon fils. Où les petits? Ils sont partis comme ça! Attrapez-le! Je vais assassiner!
Te voilà enfin par terre. Chief Shadrach. Chief Nick. Go. Bâtard. Si tu es un homme, pourquoi tu m'as tué? C'est seulement le fou qui ose venir ici. Les sages comme nous savons quoi faire au bon moment. Et reprenons vite ce qui nous appartient. Tu n'es qu'un méchant. Tu... Je te maudis. Regarde-toi par terre. Comme une chèvre. Lorsque tu m'avais ravi, mon amour, tu t'étais enfui avec mon cœur. Lorsque ton entreprise avait battu la mienne, pour savoir qui devrait gérer le pétrole, alors tu avais jeté tes salives et sale salive sur mon visage. Comme un homme sage, j'avais réalisé à quel point tu as pourri ma vie. Je te jure, je vais te laisser ce que tu veux. Il fallait coopérer lorsque tu en avais l'opportunité. Idiot. Oumo, termine la... Où est le garçon? On l'a fait évader. Comment ça? Suivez-les! Suivons-le! Je me rappelle bien de cette scène. J'ai survécu depuis ces jours. Ah! Adam, je suis assez fatigué. Nous devons nous reposer. Assieds-toi. Va au diable. Vous avez tous tué sauf un. Et ce un, et moi, me voici. V-
voilà. Toute ma vie. Les vengeances. Tu es passé. Toute ma vie. À vouloir venger la mort de mon père. Je ne suis pas Ferguson. Mon nom est Adam. Je suis le premier homme que tu as créé. Et je ne vous permettrai pas, roi des cieux. Qu'est-ce qui se passe ici? J'ai juste un sentiment douloureux. Ah, j'ai appris beaucoup de ce roi et je veux qu'il se rétablisse vite. Un honneur pour mon père. Votre Majesté, je ne sais pas au fait ce qu'il est en train de vous dire, mais je suis ici pour vous rassurer que vous serez rétabli. Tout ira mieux. Votre Majesté, ça, c'est une énorme joie. Le roi sera vraiment heureux. Peut-être l'homme le plus heureux du monde s'il survit. À mon âge? Je ne pense pas que tu as déjà l'âge de la ménopause, tu peux concevoir. Mais, il y a de cela 20 ans, depuis que j'avais enfanté ma dernière fille. Votre Majesté, des fois je vous rappelais que vous étiez si jeune lorsque vous avez commencé. N'oublie pas que tu as 20 ans d'écart avec le roi. Bien, oui. Ah. Je devais être très excitée avec la nouvelle de cette grossesse, mais tu es très bien censé savoir ce qui se passe dans ma tête. Moi, je te comprends. C'est le fait que vous et votre fille êtes tombés enceintes au même moment. C'est plutôt une grâce. Que viens-tu de dire? Tu veux dire, Julien ne t'a pas encore donné la bonne nouvelle? Mais elle est aussi enceinte. Va donner cette nouvelle au roi. Je t'assure qu'il sera vraiment content. Docteur, s'il te plaît, veux-tu me faire une faveur? Je t'en supplie de bien vouloir garder cette information pour toi-même. C'est à moi de décider si je veux garder cette grossesse ou pas, s'il te plaît. Ok, ok. Je comprends. Je te promets, je vais garder la nouvelle. Merci. Bon, qu'est-ce qu'a dit le docteur? Est-ce que tu es vraiment prêt à entendre cette nouvelle? Oh, Gina, s'il te plaît. Fiche-moi la paix, s'il te plaît. Les circonstances ont toujours été difficiles. Je peux bien assumer cela. Ça aurait été une merveilleuse nouvelle si Harriet et Perle étaient là. Mais hélas, elles ne sont plus de ce monde. Et mon père est dans un état vraiment critique. Maintenant, je me sens toute triste. Au lieu d'être joyeuse. Ça va. Il va se rétablir. Alors dis-moi, qu'est-ce que c'est? Je porte ton enfant. Vraiment? Ce n'est pas ce que tu veux? Oui, bien sûr. Bien sûr, c'est vrai. C'est une nouvelle qui m'arrange parce qu'on va bientôt se marier.
Tu n'as pas l'air content. Oh, Gina Parton. Je suis heureux. Je suis juste choqué. Tu en es sûr? Oui, bien sûr. Je suis juste... Tu sais quoi? Je t'aime. Je t'aime aussi, vraiment beaucoup. Je t'ai toujours aimé dès la première fois que j'ai posé mes yeux sur toi. Tu voulais ajouter autre chose après m'avoir dit que tu m'aimais? Oh, Gina, s'il te plaît. Je t'ai dit ce que je ressens au sujet de tout ce qui nous arrive. À mon avis, c'est juste une méchanceté. Viens, ça va. Oh, vous êtes là. Oh, ma chère. J'ai appris la nouvelle. Merci. Oh, merci au Dieu, merci au Dieu, ma fille. C'est bon, c'est bon. Calme-toi, ma fille. Ce n'est pas le moment de pleurer. Nous devons nous réjouir pour cette nouvelle. Arrête de pleurer, ma fille. Tout ira bien avec le temps. Maman, j'aurais souhaité que Ariette et Perle soient là pour se réjouir avec nous. Je comprends. Nous devons laisser tout ça dans le main de Dieu. Nous devions nous confier à lui. Ok. Allons dire ça à papa. Oui. Bon fils, félicitations. Oh, merci, ma reine. Allons-y, allons dire ça à papa. Vas-y, ma chérie. Vas-y, parle-lui. Papa, je sais que nous avons perdu Ariette et Perle dans des circonstances très tragiques, mais le Seigneur a commencé à nouveau à nous faire grâce dans nos vies. Le docteur vient de me confirmer que je vais te donner ton premier petit enfant. Un bébé. Un bébé. As-tu écouté cela? Ta fille va nous donner un premier petit enfant. Oh, beau. Ah ouais. Tu ne vas pas du tout les féliciter? Oh, je m'excuse, ma reine. C'est sans doute une bonne nouvelle. Je suis très content de ça. Félicitations. Merci beaucoup, Po. Mon ours. Tu dois vite te rétablir. Tu ne dois pas rester comme ça très longtemps. Ta fille va bientôt se marier. Tu dois être là. Tu dois la donner ta bénédiction. Tu ne dois pas me laisser seule. Surtout pour ces moments. S'il te plaît, réveille-toi. Rétablis-toi vite, mon roi. Je t'en supplie. S'il te plaît. Steven, où est Po? Dans l'appartement à côté. Il faut vite trouver un plan. Vite nous trouver un plan.
Regarde, on ne peut pas le laisser nous attaquer en premier. Nous devons emboîter le premier pas, ce soit maintenant ou jamais. Donnez l'instruction de libérer Prince Ferguson. Nous devons vite sécuriser ce palais, vite alors. C'est maintenant ou jamais. Steven. Quoi? Laisse-moi te remercier. Je dois te remercier et tous les gars pour m'avoir assisté depuis toujours. Planifier cette mission depuis toutes ces années. Nous sommes à sa fin. C'est le moment le plus important de cette mission. Désormais, à partir d'aujourd'hui, je voudrais te dire que tout ce qui va arriver, je suis satisfait. Une personne qui a tué mon père, et me voici, je venge sa mort. Le membre de ma famille et tous les servants. C'est être sans cœur. Alors achevons cette mission, ne perdons pas assez du temps. Oui. Jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Œil pour œil. Dent pour dent. Allô. Waouh. Ok. Youpi. Enfin. Prince Ferguson, lève-toi et habille-toi. Nous partons. Ne perdons pas le temps. Allons-y. Où est-ce que vous m'amenez? Ok. T'as écouté des petits bruits? Non. J'ai entendu des petits bruits. Vas-y vérifier. Bouge. Garde silence, sinon tu es mort. Lève-toi. Lève-toi. Toi, bâtard. Je savais ce qui était ton vrai visage depuis tout ce temps. Et tu devais respecter tes instincts pendant que tu en avais l'opportunité. Laisse-moi me présenter à toi. Regarde-moi! Ogwo, je ne suis pas le prince Ferguson. Mon nom est Adam. Le fils du défunt Chief Shadrach que vous avez tué, assassiné 30 ans passé. C'est quoi ça? Ah, pardon. Non, mais tu imagines. Non, le pire. Ici. Le patron est déjà de retour. Aussitôt. Mais ça, c'est vraiment très étrange. Mais le chef n'a pas encore fini de cuisiner. Allons, ouvre ce portail. Oui, monsieur. Ouvre-le. Oui, monsieur. Ferme-les. Oui, monsieur. Vas-y, ferme-les. Oui, monsieur.
Silence! Du calme! Keita, monsieur! Qu'est-ce que tu attends? Abalaque! Bien. Oh, pas de problème, les enfants. Madame, je peux remarquer que vous marchez à pas pesants pour rencontrer votre mari, le chief. Où est mon mari? Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Donc, ça veut dire qu'il n'est pas ici présent. De grâce, mettez-vous. Oh! Hein? Laisse-moi! Je suis sûr que tu es choqué pour m'avoir vu. Qu'est-ce que tu fais ici? Et qu'est-ce qui se passe? J'avais promis à ton mari. Il y a de cela quelques années. Qu'un jour, je vais revenir pour ce qui m'appartient. Desmond, pardon. Quel que soit le conflit que tu as avec mon mari, ça ne devrait pas nous affecter. Où est ton mari? Je ne suis pas intéressé par les bêtises que tu es en train de raconter. Tu peux voir, il n'est pas à la maison. Attends, s'il te plaît. Je vais te dire. Et ton mari? Juste attends, promets-moi que tu ne vas pas nous faire de mal. Je ne suis pas un monstre. Juste dis-moi où est ton mari et je vais m'en aller. Il est parti sur mon côté avec mon fils. Bien, Robo. T'inquiète pas. Desmond, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Pourquoi est-ce que tu te prends à mes enfants? Ne me parle pas de cette façon-là. Polly, c'est ton passé qui te cause du tort, femme sorcière.
Je t'avais tout donné. Je t'avais donné l'amour. Je t'avais donné tout ce qu'une femme peut avoir besoin. Mais tu as décidé de briser mon cœur. En épousant mon ami que je t'avais introduit. C'est mal. Desmond, tu m'avais pardonné. Je t'ai quitté parce que tu étais un homme irrationnel. Je suis maintenant un homme très sage qui raisonne. La raison pour laquelle je ne veux plus penser avec mon cœur, mais je vais plutôt le faire avec ma tête. Je suis pas venu ici parce que ton mari t'avait volé entre mes mains. Mais plutôt, je suis venu ici parce qu'il m'avait escroqué dans les affaires que toi, tu connais très bien. Tu accordes plus de l'importance à ton argent qu'à mes enfants. Ce sont des affaires qui te concernent, toi et mon mari. Non, c'est faux! Parce que le sang qui coule dans leurs veines est celui de ton mari. Je l'avais promis. J'avais aussi fait une promesse à moi-même. Qui est tout sur cette terre. Qui a trait à Shadrach. Je vais les détruire. Salon. Je te maudis aujourd'hui. Que ta propre mort viendra sans pitié. Ta descendance viendra dans la honte et l'humiliation. Tu verseras de larmes quand ton temps viendra. Tu verras la mort et tu perdras toutes tes chairs. Ton cadavre sera abandonné à l'air libre et les vautours viendront s'en nourrir. Tu sais, tu as totalement changé. Depuis les jours que tu m'as quitté pour Shadrach, que tu traites de mari. Laisse-moi te dire que la malédiction d'une femme ne peut pas avoir effet sur moi. Bobo. Elle est si belle. Mauvaise femme. Bien. Adam. C'était un homme de parole. Alors, tu peux prendre ma vie. Mais épargne la vie de Princesse Gina. Et la reine. Mais tire-moi dessus. Tu n'as pas à me dire ce que je dois faire. Steven, prends soin. Si quelqu'un se méconduit, tue-le. Qu'est-ce que c'est? La reine. Qu'est-ce qui est arrivé à la reine? Elle est dans sa chambre. Viens avec moi. Non. Viens avec moi. S'il vous plaît, non. Je ne peux pas, Non, s'il vous plaît, non. Arrête-toi.
Il a voulu le faire. Qu'est-ce qui se passe ici? Venger la peine que vous m'aviez fait sentir depuis tant de temps passé. Les tuer lentement. Dire-moi Dieu. J'en ai pas les temps. Et je ne suis pas un meurtrier. Comme toi. Steven? Mon cher prince Ferguson, désolé de vous avoir fait patienter. Tu m'as renfermé presque pour un mois. Ok, je comprends. Le problème, c'est qu'on ne comprenait pas combien de temps cette mission pourrait-elle nous prendre. On n'avait aucune idée, mais laisse-moi te dire que je m'étais déguisé en toi. Merci pour ta patience et compréhension. Mais laisse-moi te dire que je ne te ferai pas du mal aussi longtemps que tu continues à collaborer étroitement avec nous, compris? Oui. Est-ce que je suis maintenant libre de mener ma vie, comme d'habitude, parce que ça devient un cauchemar pour moi. Oui, tu seras libre. Un peu plus de patience. Patience. Sens-toi à l'aise. Avery. Oui, Prince Ferguson. Laisse-le seul. Steven. Tu veux bien me dire ce qui se passe ici? Qui es-tu? Princesse Gina, ton père, King Desmond, plusieurs années passées, et ton oncle, Ogbo, arrivèrent au palais de mon père, tuèrent tout le monde, méchamment assassinèrent tout le monde.
tuèrent des serpents, assassinèrent le garde, mes sœurs, et ma mère. Ils tuèrent tout le monde. Ils ont même suivi mon père et moi à la plantation. Et de loin, ils nous ont perçus. L'en tirait déçu. Ils l'ont vraiment tué. Le père de Steve m'a aidé à m'évader. J'ai été tiré chez mes faisans. J'ai la réponse à ta question. Je m'appelle Adam. Ça, ce n'est pas vrai. Ah oui, c'est vrai. Peu importe à quoi tu penses. Ton père a exterminé toute ma génération. Exterminé. Totalement. Parce que ton père voulait ravir tous les biens de mon père. Sa fortune. Parce que ma mère l'a quitté pour épouser mon père. Je suis parti. Je suis promis au père de Steve que je vengerai sa mort et la mort de mon père. Nous sommes innocents. Aussi étaient mes sœurs. Et elles ont été toutes tuées. Donc si je comprends bien... Tu es derrière ce qui est arrivé à mon père. Oh ouais. Oui. Je suis auteur, absolument. Oh, roi. Non. Non, roi, tu ne peux pas faire ça. Non, pas ça. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas. Roi, non. Non, roi, ne me fais pas ça, s'il te plaît. Je t'en prie. Ah, fais pas ça. Il a été fort. Et malheureusement, on l'a perdu. J'ai vengé. Il va mourir lentement. Il n'a plus jamais pensé être vengé un jour. Je savais que Prince Ferguson était en chemin. Ainsi, on l'avait captivé. On l'a séquestré. Et lâche qu'il était. Je lui ai dit tout ce que je devais faire et il a accepté. Il a donné son aval. Car il craignait perdre sa vie. Et je suis sûr que tu vas t'intéresser à son apparence. Car au moment où je te parle, Ferguson est là. Steven! Ferguson. Gina. Ah, princesse Gina. C'est un honneur de t'avoir rencontré.
S'il te plaît, crois-moi, je n'ai rien à voir dans tout ce qui s'est passé ici. Je n'avais pas de choix. Hey. Je comprends. Sors. Parce que la peur, c'est l'ennemi. Si je ne réussis pas à la vaincre, la faiblesse s'empare de moi et m'habitera toute ma vie. Adam, tu as traité mon père d'animal. Dis-moi, qu'est-ce que toi tu es? Qu'est-ce que tu as prouvé en reproduisant exactement les mêmes choses dont tu l'accuses? Si je suis un animal comme lui, je veux réagir pour refuser la peine. Je dois protéger ma peau. Je ne laisserai pas battre ma peau. Je peux être prise une mauvaise décision. Gina. Que Dieu soit le juge. Mon seul regret. Et toi? Toi. Pourquoi? Jamais su que je tomberais amoureux de toi. J'ai jamais planifié que tu portes mon bébé. J'ai jamais su cela. Même si je mourrais maintenant. Je prie que mon fils ne meure pas après moi. Jamais. Car toute ma vie, je l'ai passée dans la haine et la colère. Une personne. Dans tout ça, je n'ai pas d'autre raison de vivre. Stop! Je suis la fille de mon père. Je ne suis pas différente de lui. Pose cette arme, Gina. Ce serait de la folie de ne pas te tuer alors que j'en ai l'opportunité. Et qu'est-ce que tu vas gagner par la suite? Nous sommes le même genre, n'est-ce pas? Tu es comme moi, Gina. Alors ainsi soit-il. Mais qui a fait ça? Je n'ai pas fait intentionnellement. Ne la touchez pas, elle porte mon bébé. Adam, malgré tout ça, je veux que tu saches que je... Adam. Je t'aime de tout mon cœur. Flic.
C'est bon. Ça ira.